Allô? Oh le con. Oh le... Drapeau français dans le chat. Qui est le Hiko? Des drapeaux! Des drapeaux français dans le chat! Des drapeaux français! Les huitièmes de finale! On a gagné les amis! Des drapeaux français dans le chat! Des flammes dans le chat! Des drapeaux! De l'ambiance! Des flammes! Aujourd'hui! Attendez, j'ai des retours de gastrique de ce que j'ai mangé ce midi. Est-ce que tout le monde va bien dans le chat? Est-ce que vous êtes contents? Parce que oui, on a gagné, les amis! On a gagné!
Et je le dis maintenant. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai peur de rien. Les amis, j'ai peur de rien. J'ai peur de personne. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, j'ai peur de rien. Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez me dire, Inox, t'es un footix. Mais non, je ne suis plus un footix. J'ai joué sur un stade. J'ai joué au stade Jean Bouin, devant des gens sur Twitch. Je ne suis plus un footix. Je peux le dire. Je peux poser les termes. Je peux le dire, Mbappé, qui lui, il a encore brillé ce soir, les amis. Il a encore brillé. Et on va gagner la Coupe du Monde. Allez hop. Voilà, c'est bon. Non, bon, là je m'emballe. On n'est pas sûr de gagner la Coupe du Monde. Faut pas s'avouer trop fort, trop vite. Hein. Faudrait pas abuser. Mais yo, tout le monde dans le chat, j'espère que vous allez bien. Merci Nibag pour ta donate. Grosse dédicace, Hugro. C'est lui qui m'a demandé de dire Hugro. C'est pas moi qui ai dit le mot gros. J'espère que tu vas bien et la map est stylée. Merci Matko, merci pour ton sub, merci tout le monde dans le chat. Est-ce que vous allez bien dans le chat? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Déjà, je peux pas commencer live si je suis pas sûr que tout le monde a pas passé un bon week-end. Déjà, ça va pas. Je suis belge. Force à Watt. Force à Watt. Grosse dédicace à tous mes Belges. Malheureusement qui ne sont pas passés, mais on vous fait des gros bisous. Franchement, je regarde pas le foot. Merci beaucoup pour ta donate, Patrice, pour tes 10 euros. Merci, grosse dédicace à Mike, Yannis et Alexis. Merci à tous. Les gars, il y a un truc en ce moment, je vois que ça. Déjà, attendez, on en a même pas parlé. Oh, on dirait que c'est normal. Ça veut dire maintenant je fais des trucs. C'est tellement tout le temps je le fais que vous oubliez en fait. Ça veut dire personne m'a fait la réflexion. Je pensais que j'avais fait ça et tout, et que vous allez dire, ouais, incroyable et tout. C'est-à-dire, j'ai lancé le live. J'ai pas eu encore de message dans le chat. Il n'y a pas eu encore de gens qui l'ont remarqué. Pourtant, c'est gros. C'est gros comme un sapin de Noël. C'est énorme même. Et voilà, Mathieu a pris du temps à décorer ça avec Linda. Ils ont pris du temps à refaire mon studio et personne leur dit merci. Dans le chat, un maximum de bruit pour... La déco, voilà, la déco pour Noël, voilà, nouvelle déco pour Noël, mais personne n'a remarqué. Tout le monde vient de remarquer, je viens de vous le dire. Trop beau, incroyable. Ah bah merci les gars, heureusement que je vous ai dit, parce que sinon ça allait pas se voir. Est-ce que vous kiffez les amis? Merci Malcour pour ta donate, merci beaucoup. Ça va et quoi Coralie, merci beaucoup. Gros dédicace à Florence, Juliette, Annabelle, GG et Maud. Merci beaucoup, t'es le boss, j'ai passé un bon week-end, super et toi? Ben merci, magnifique. Ça fait plaisir, merci les gars. Bon, j'ai quand même réclamé que vous me dites ça. Mais on va dire que je vous l'avais pas dit. Merci Fred pour ton sub. Franchement, je trouve que c'est la plus belle déco de Noël que j'ai fait. Enfin, c'est pas moi qui l'a fait. Mais je trouve que les sapins dans le décor derrière, c'est le plus beau truc. L'année dernière, c'était tout le studio en blanc. Mais honnêtement, je trouve que là, c'est bien, c'est clean, c'est efficace. En termes de rendu vidéo, je trouve que c'est la plus belle. Mais j'espère que tout le monde va bien. Où est Ace? Ace, c'est ma mère qui le garde aujourd'hui. On est le week-end, donc je le laisse un peu à ma mère aussi pour qu'elle puisse le garder. Je vis avec mes parents encore, les gars. Donc Ace, c'est à la maison, tranquille, pendant que moi, je suis à Webedia pour nous faire un petit live du soir sur la nouvelle saison de Fortnite dans le chat. Est-ce que la nouvelle saison est bien? Dites-moi vos avis. À partir de maintenant, vous avez dû la tester. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette saison. On va la tester. Ce soir, j'ai hâte de voir. Merci S by Desiree pour ta donation. Merci beaucoup. Merci Tom pour ton sub. On va tester cette nouvelle mise à jour. À ce qui paraît, elle est pas mal du tout. Et on va voir. Moi, si je prends du plaisir, peut-être que ça me fera revenir de temps en temps sur le jeu en live. Moi, ça peut m'aller. Énervé, incroyable. Oui, ça passe. Incroyable. Oui. Comment va Ice? Au top. Je t'aime, mon doudou. Merci, Malou. Incroyable, incroyable. Putain. Eh, pour une fois qu'il y a beaucoup de gens qui disent trop bien. Incroyable. Attends. Il y a tant de incroyables que ça, là, les amis. Alors là, ça sent bon, cette histoire. Je sens que ce soir, on va passer une bonne soirée. Inox, regarde la bande-annonce du pass, il y a un truc. Alors moi, j'ai pas vu l'event. Faut que je regarde une vidéo de l'event. C'est toi le plus beau, c'est vous les plus beaux. Faut que je regarde une vidéo de l'event Fortnite ou pas? C'est quoi la vidéo? Bah non, en fait, je vais ouvrir le jeu, ça va me le mettre direct, non? J'ouvre le jeu? Merci en tout cas à tous ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas dès maintenant à mettre votre pouce bleu. Dès que vous avez mis votre pouce bleu, vous mettez un cœur bleu dans le chat. Le chat doit avoir que des cœurs bleus. Merci Enzo pour ton sub, t'es un boss. Merci Lolo Bezo, Bezone pour ta donnée. Merci beaucoup. Messi 23 ans et 3 ballons d'or, Mbappé 0. Mon ami, j'ai pas dit qui est le meilleur joueur de l'histoire.
Ça, c'est indéniable. Je pense que Messi et Ronaldo, ils, voilà. Maintenant, qui est le meilleur joueur actuel? J'écoute. Mais, selon moi, c'est Mbappé. Et ceux qui sont français et qui disent « Non, c'est pas Mbappé, il est trop nul. » Les amis, vous êtes français, vous devez encourager la France. Vous devez encourager les jeunes prodiges français. On a de la chance d'avoir Mbappé. Je le dis, c'est le meilleur joueur du monde actuel. Je suis un footix, mais c'est pas grave. J'ai joué sur un terrain, je ne suis plus un footix maintenant. En vrai de vrai, les gars, je vais lancer le jeu direct. Comme ça, on va voir. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve cette petite saison. Les amis, si c'est lourd, ça pourra nous faire revenir de temps en temps sur le jeu. Comme ça, j'alterne Fortnite, Minecraft et tout, ça fait plaisir. Voilà, on va voir, on va voir. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous ai montré sur OneCube, il y a une petite nouveauté, je vous ai pas montré. Mais peut-être qu'à la fin de la session Fortnite, je vous montrerai le hub sur OneCube pour ceux qui l'ont pas vu. Je pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs ce week-end. Hein. Vous avez été extrêmement à jouer à OneCube ce week-end, donc merci beaucoup les gars. Et l'event pue sa mère, d'accord. Gros dédicace Antoine, merci de Killuck pour ta donate. On va voir, on va voir. Je vais lancer le jeu. Vous savez quoi? Vas-y, arrêtons de blablater, passons aux choses sérieuses. À un moment, faut passer aux choses sérieuses. Fortnite, allez, c'est bon, on met le son. Parfait, c'est parti. C'est parti. Oh là là, mais j'ai hâte, sa mère! Coucou Inox, on t'adore, on te suit depuis Montréal. Grosse dédicace à tous mes Québécois, les amis. D'ailleurs, bonne nouvelle, les gens qui jouent au Québec, qui voulaient jouer à mon serveur Minecraft au Québec, vous aviez eu beaucoup de ping avant. On a tout réglé, maintenant, normalement, vous êtes à 60 MS. Avant, vous étiez à 100 MS, donc on a pensé à vous, les Québécois. Sur OneCube, normalement, vous êtes plus fluide qu'avant. Voilà. Ta déco est incroyable, mais l'année est passée trop vite. Cette année est passée extrêmement vite. Si vous voulez, on en parlera en fin de live, mais... ça passe vite le temps, sa mère. Je vous le dis, ça passe vite. Profitez. Merci Lupine pour ta donate. Pourquoi l'épisode 4 de Celebrity Hunted? Qui a regardé Celebrity Hunted d'ailleurs dans le chat? Salut Nox, mon frère, pitié, dédicace à Courgette. Grosse dédicace à Courgette. C'est vrai que les gars, il y a Celebrity Hunted qui est sorti ce week-end sur Amazon Prime. C'était l'émission qu'on a tournée avec Michou il y a très très longtemps, mais elle vient d'enfin de sortir. Vous voulez voir les meilleurs paramètres pour votre machine confirmée? Donc j'espère en tout cas que vous avez kiffé notre passage avec Michou. J'attends vos retours. Pourquoi t'as mis un ensemble de plongeurs? Parce que, en fait, j'ai plus de t-shirt. Attends. C'est quoi? Déjà, moi, les gars, j'ai fait tout mon possible. Oh! C'est ton combat désormais. On est où, c'est Avengers? J'ai la trique. J'ai des frissons. Hein, c'est Mr Beast? Attends, quoi? Il y a Mr Beast dans le jeu? Jure, c'est l'ancienne map. Moto? Mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Hein? Y'a des drones! Hein? Il y a des jouets? Wesh, le viseur! Oh, la map de baiser par contre! Oh, la map, elle a l'air incroyable! Non mais là il faut se faire enculer là.
sur Miizuku. Hein? Pourquoi? Attends, mais quoi? Non mais c'est Crunchyroll ou c'est Fortnite là? Les gars, il y a tous les animés dedans maintenant. Acheter le pass de combat. Non, là, en ce moment, j'ai sorti mon serveur Minecraft, j'ai plus un rond. Ouais, laisse tomber pour le pas de combat, c'est pas grave. On n'a pas besoin de skin pour profiter, de toute façon. Oh ! Ils me l'ont donné gratuitement ? Ils me l'ont donné gratuitement ? Ah non. Ouais, non, alors si c'est pas gratuit, laisse tomber. Laisse tomber. Là, franchement, en ce moment, serveur Minecraft, là, j'ai... Laisse tomber. Plus un rond, les amis. Par contre, le trailer de malade mental, les gars. Ils ont mis My Hero Academia dans le jeu. J'ai juré. Par contre, la map a l'air incroyable. J'ai trop envie de jouer là parce que la map a l'air incroyable. Rat ? Comment ça, rat ? Y a pas de rat dans le studio là. Qu'est-ce que vous me racontez ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Bon, on se fait une game ou pas ? Battle Royale, baby ! Merci beaucoup, Jade, pour ton sub. Non mais les gars, laissez tomber, je peux pas payer le pass de combat. En vrai, laisse tomber, je peux pas payer le pass. Surtout qu'en plus c'est pas Fortnite qui m'a contacté, qui m'a dit Nox, viens rejouer, viens tester la saison avec nous. Moi je leur ai dit pas de soucis. Mais les gars, je peux pas prendre le pass. Il coûte combien? Boutique d'objets. Pass de combat. Putain, non. J'ai 600 V-Bucks. 950 euros. Non, je peux pas me permettre. Les gars, en vrai, je peux pas me permettre. Regardez, j'en ai déjà trop fait, les amis. J'ai trop donné dans ma vie. J'ai trop donné, je veux bien donner. Je veux bien être gentil, être généreux. Faut donner dans la vie. Mais faut apprendre à donner sans recevoir. Là, maintenant, voilà, je peux pas leur donner. Tant pis, c'est force à eux, force à Fortnite. Si je fais top 1, j'achète. Franchement, que si je fais top 1. Que si je fais 950 euros. Ouais, les gars, bah oui, le pack de combat, regarde. Boutique d'objets, passe de combat. Il est où, le prix, obtenir 950 euros, je peux pas. C'est 10 euros. Non, c'est 950. Les gars, c'est trop cher. Franchement, je peux pas me permettre. Je peux pas. Non, ça c'est 10 euros, ça c'est... Je l'achèterai... Si on fait top 1, je l'achète. Si on fait top 1, je l'achète, les gars. Ferme-la et joue. Ok, lourd, franchement, je me la ferme. Merci beaucoup, la boss, pour ta donate. Merci, Stelio. Merci, Jade. Non, Ansar, franchement, le trailer, mettez une note sur 10, mais franchement, le trailer, je mets un 9 sur 10. 9 sur 10, il était vraiment stylé. 10 euros. Bon, je l'achète si je fais top 1. Je lance une game. C'est parti, les amis, on va découvrir ma femme, bébé. Prends Son Goku, bien sûr. Sous-côté, My Hero Academia. Bon, après, la dernière saison de My Hero Academia, j'ai arrêté les deux premiers épisodes, j'ai pas kiffé. Achète le pack 4 euros, t'as 600 V-Bucks. 4 euros, un grec. Honnêtement, je sais pas si je peux, là. Si je fais un top 1, peut-être que je vais faire. Ok, c'est parti, découvrons la map. Découvrons un peu la map. Je compte sur vous, le chat, pour me guider. Parce que je n'ai jamais joué. Je vais découvrir en live, là. C'est ma première impression. Je me suis pas spoil. J'ai pas vu de trailer avant. J'ai pas vu de gens jouer en live. J'ai rien vu, les amis. J'ai pas vu le lobby. J'ai pas vu le jeu. J'ai rien vu. Donc j'ai hâte. On va découvrir tout ça ensemble. Déjà, pourquoi ça se lance pas? 4 euros, un grec, t'habites où? C'est vrai qu'avant. Avant. Non. Venez, on parle d'un truc. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Un grec, c'est 8 euros. Maintenant. Il y a 3 ans, c'était 4,30 euros en bas de chez moi. Je suis revenu là, il y a 2 semaines. Je descends en bas du grec. 9,50 euros. Une boisson, 3 frites et un kebab. Les amis, l'inflation fait mal. Bon, en vrai, moi, je vais pas me plaindre, mais... Quand même, quand tu y repenses, dis-toi qu'on se fait tout spinner dans l'histoire. C'est parce qu'en soi, la viande n'a pas changé. C'est toujours la même. Les frites, il y en a encore moins qu'avant. Les frites, c'est pareil. Il y en a encore moins qu'avant. Hein?
Maintenir pour rendre muet? Comment ça? Putain, j'ai plus mes touches. J'ai plus rien. Mais attends, tout s'est déréglé, les gars. Tout s'est déréglé. Perso, je kiffe pas trop. Ah ouais? On va voir. Je crois que toutes mes touches sont déréglées. Mais j'ai l'impression que les graphismes, ils ont changé, là. C'est quoi, les arbres? C'est pas Fortnite, ça. C'est quoi? Les armes aussi, elles ont changé? Attends, déjà, je vais augmenter ma sensi. Déjà, paramètres. Paramètres. Sensibilité. De l'axe de la souris. Tout a changé, là. Appliqué. Ok, pas assez. Bon, en vrai, les gars, je perds du temps. C'est la première game, mais c'est pas grave. Je vais faire tous mes paramètres, là. Je vais mettre à 14, je pense. 15, allez, 15. 15 et 15. Appliquer graphisme. Les gars, nous, on s'en fout du beau jeu. C'est où? Le graphisme, volume, sensibilité, interface de jeu, graphisme. Épique. Ouais, il m'a mis en épique partout, quoi. Non, 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 non. Distance d'affichage, loin. Épique, texture. Épique, téléchargement, texture d'air, effet, moyen, post-traitement, moyen. Ok, la norme. Et là, t'es à 60 FPS. Comment j'augmente? Augmente tes FPS. C'est où les IPS? C'est où les IPS, les gars? Normalement, ça doit être là, je pense. Un IPS illimité. Voilà. Ok, bien vu le chat, vous êtes des bons. Ok, parfait. Bon, là, je préfère largement, là. Ok, on va voir ce que ça donne. Déjà, nouvelle map. Déjà, là, on a un tremplin pour pouvoir se barrer. Ok, on a les mini-potions. Ça bouge pas. Pour l'instant, c'est toujours pareil. Vous en pensez quoi des nouveaux graphismes? Bon, là, pour moi, il n'y a pas de nouveaux graphismes parce que j'ai tout désactivé. Mais, hormis ça, il y a des nouveaux guns, donc... J'aime bien. Fusil à pompe, celui-là a l'air pas mal, hein. Celui-là, je sais pas si je dis des conneries, mais il a l'air pas mal. Vous entendez bien? Tout marche bien, les gars? Le coffre. Oh. Cette musique de merde là, c'est bon, elle m'a saoulé. C'est bon.
Allez, on veut bien la nostalgie, mais c'est bon. Putain de merde, ils ont remis l'Ascar. Ils ont remis l'Ascar. Non, mais rien que pour ça, c'est bon. Non, là, rien que pour ça, c'est bon, ils ont gagné. Ils sont montés dans mon estime, là. Appuie sur 7. Hein? Qu'est-ce qu'il y a quand j'appuie sur 7? J'appuie sur 7, là. Qu'est-ce qu'il y a quand j'appuie sur 7? 7? Qu'est-ce qu'il y a quand j'appuie sur 7? Hein? Y a rien quand j'appuie sur 7? Ça me fait rien? C'est quoi ce machin? Wesh, oh attends, c'est puissant ça. Change la touche du 7. Attends. Attends. Putain, il y a encore une scarpe, putain de merde. Putain de merde. Y'a un mec. Eh, c'est mon jeu, hein. C'est pas parce que j'ai pas joué depuis une décennie que je suis nul, hein. Ça, vous me ferez pas devenir nul à mon jeu. Je vais faire un top 1 première game. Je vous le dis, je vais faire un top 1 peu... C'est mon jeu, Fortnite. C'est grâce à ça que j'en suis là, ici. C'est grâce à ça qu'on est tous là sur ce live ce soir. F7. Attends. C'est un bot, ça, ok. Attends. Paramètres. Y'a quoi à 7, les gars? Touche. C'est où 7? Ils sont les 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Choix de renfort. Je vais mettre L. C'est quoi ça? Mais on est où là? Archer mécanique. Non, mais là, c'est de la dinguerie, ça. Hein? Tirage sanglance. Hein? Mais pourquoi j'ai le truc des Total Spies? Première balle du chargeur inflige des dégâts. Hein? Tu peux faire encore? C'est quoi ce bordel? Pidi, elle a un bébé. Valouz l'a foudroyé. Merci Roméo. Valouz a foudroyé le bébé? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il est pas encore né. Putain les gars! Top 1 avec Dicky, je te donne 20 euros. Mais frérot, tu vas les donner! Frérot, j'ai le truc des Total Spies! C'est fini! C'est fini! Je vais tous les fumer! C'est bon, c'est top pour rien, les amis. C'est... On peut encore glisser? Non, mais là, je suis aberré. Merci, Gaëtan. Là, je suis aberré. Là, ça commencerait très bien, la saison. Oh, on entend des cloportes, écoutez. Tiens. C'est des cloportes, ils l'ont ajouté, ça. C'est, ils n'y étaient pas avant. Mais c'est légendaire. C'est légendaire. Mais attends, le marteau, là, je peux pas voler avec? Wow, c'est bon, j'arrête. C'est quoi, ça? Non, mais c'est trop cheaté, ça. Le marteau? Il y a d'autres touches? Elle? Encore? Spécialiste des arcs, les... se recharge plus vite. Les objets que vous détruisez
prend le marteau et fait viser. Attendez, on descend. Je suis amoureux de toi, moi aussi. Merci mon ref, merci Liam. D'ailleurs, demain, pour tous ceux qui sont là, les amis, je fais une émission sur Twitch. Ça s'appelle Zen. Soyez là, ça va être incroyable. Top 1 wiki, je te donne 0,99 centiles. Oh, merci Laura. Merci d'être sur le live, Laura. T'es un bon. Appuie L. Oh, putain de merde. Il fait quoi, lui? Il a cru que c'est la Saint-Glinglin, c'est Noël. Faut que je fume. Putain, j'aurais pu le tuer, les gars. Tape dans la neige. Hein? Nani? Mais elle est énorme, cette boule. Oh putain! Oh, je kiffe! Commencer quand tu vises, ça me rappelle l'ancien temps. Non, je me suis fait prendre mon kill. Ça me rappelle l'ancien temps! Il y a la nozo. Il y a un mec. Allez! Ça dégage! Tu vas faire quoi avec Louis? Merci Baptiste. Putain, c'est vrai qu'il faut que je contacte Louis là. Faut que je dise à Mathieu. Ça fait 10 ans que je dois le contacter. Il est bien lui. C'est lequel le mieux, lui ou ça? Oh là là, il a l'air puissant lui, moi je m'ennuie. Oh là là. Grosse dédicace, Tony. Il est où lui? Ok, alors lui j'ai fait sa fête hein. Lui j'ai fait sa fête. Oh, un pro player. T'es de retour? Vous êtes de retour les amis? Vas-y, viens, j'ai pas joué depuis 2010, mais je m'en bats les steaks. Je les fume, moi, les pro players. Je les fume. Vas-y, viens. Il est où? Je me tire. Il a eu peur de moi. Il a eu peur de moi, les gars. Tu ne vas pas réussir à gagner. C'est ça, ouais, je vais pas réussir à gagner. Regardez bien ce que je vais lui faire au pro player, déjà. Déjà, le pro player, je m'occupe de lui. Déjà. Il fait quoi dans la maison, là? Avec le marteau, avance et fait viser. Oh, lame de catastrophique. Je vais lui envoyer ma boule. Eh mais ils ont changé la visée. C'est plus comme avant. On est d'accord, c'est comme à l'époque, tard à l'époque. J'ai pas la zone, faut que je me taille. Mais lui je peux le tuer en vrai. Oui bon, tu fais les SF. T'es en FNCS là ou c'est comment là? Il fait les FNCS, il est en game normal. Je vais utiliser l'arc. Top 1 prochaine game, 1000 euros. Mais les gars, je vais faire top 1 celle-là. Je vais faire top 1 à cette game, les amis. Merci à tous qui sont sur live, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Merci l'équipe. Merci beaucoup pour votre soutien. Est-ce que vous kiffez mon live en l'instant, les amis? Ça, quel plaisir, les gars! Le jeu est bien! C'est quoi ça? Hein? Une tornade? C'est une tornade un peu invisible. C'est des courants de vent. Il y a un tunnel. Ça tire là-haut. J'ai 4 balles. 41. Ah, force au Sénégal. GG l'Angleterre qui a gagné le match. Qu'est-ce qu'il fait là? Le fumer lui. Oh, ça glisse sa mère. Hein?
C'est quoi ce bordel? Ils ont des ballons! Ah mais y'a déjà eu ça tard à l'époque! Ils sont où les mecs? J'ai encore les mécaniques! Ok les amis, c'est pas propre comme avant, mais j'ai encore les mécaniques! Bonne game Inox, t'es le boss, c'est vous les boss. Mais les gars, on est d'accord, ils ont remis la visée de l'époque. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai l'impression que c'est moins précis. J'ai l'impression que c'est comme avant. Ils ont remis le bazooka. Oh là 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 là, la nostalgie. Oh. La map exceptionnelle. Mais il casse les couilles, il a combien de roquettes? Oui, ils ont remis comme avant. Mais c'est exceptionnel. Mais non, les gars. Oh, je suis heureux, les amis, je suis heureux. Oh putain. Je vais atomiser lui. Dans sa base. Faut le fumer lui. Faut le fumer. Je le bombarde. Mais il est dedans encore ou quoi? Ouais, il est encore dedans. Mais pourquoi ça pète pas? C'est pas surpuissant l'arc en fait. L'arc est pas surcheaté, les gars. Faut que je le... Je sais ce que je vais faire. Qui fait l'effet de CS, lui? Il met une tête, c'est fini. C'était la première game, game de chauffe. C'était la première game, les amis. Soyez indulgents, c'était la première game. Par contre, le jeu est incroyable. Les sensations sont trop bonnes. Les sensations sont exceptionnelles, les amis. Les sensations... Par contre, c'est Aberon qui m'a mis une balle et il m'a tué. Ça, c'est miteux. Ça, c'est Aberon. Merci, Bliror. Ça, faut, voilà. C'est à revoir. C'est des choses qui sont à revoir. Ça ne pouvait pas être parfait. Maintenant, il fait quoi, là? Pourquoi il fait quoi? Ok, en plus il était nul. Ils ont remis la daronne. Merci. Ah ouais, le bazooka. Pourquoi tu prends toujours la même miniature? Parce qu'elle est bien. Yo le chat, yo tout le monde, YouTube vient d'arriver. C'était la game des chauffes. La prochaine game c'est top 1. Ça veut dire la prochaine game c'est top 1. Le lobby est exceptionnel. Mais les gars, j'ai l'impression que le jeu est incroyable. Alors là, je vais dire une idée au pif. Là, c'est une idée qui me vole par la tête. Imagine, le jeu est exceptionnel. Les gens, ils commencent à y rejouer un petit peu et tout. Moi, je reprends plaisir. Viens, je fais un live de baiser. J'organise un truc où tous les Français y participent. On fait une Coupe de France. Coupe de France de Fortnite. Et on fait revenir Fortnite au top jeu. Non, en vrai, je rêve un peu trop. Merci Tom pour ta donnée, GG, pareil. Les amis, viens, on fait une compétition. On fait la Coupe de France. Pas la Coupe du Monde, la Coupe de France. Je trouve des sponsors, je fais la Coupe de France de Fortnite, tout le monde peut participer. Bon là en fait je m'emballe. Là j'ai vu que la saison elle commençait à être pas mal, je me suis dit bon vas-y. Là j'ai pris un peu la confiance. Mais imagine, tu fais une compétition Fortnite sur scène et tout à la fin avec du cash prize, on met plus de 100 000 balles et tout. Non, ça c'est baisé. Ouais, ça serait incroyable, ouais, mais là, je rêve un peu. Là, laissez-moi rêver. Laissez-moi rêver à une compétition Fortnite. Plus jamais je rejoue. Non, mais j'ai juré, s'il y a des gens qui rejouent et qu'on commence à jouer tous et on se remet une déterre, là, j'organise une Coupe de France. Truc, what the fuck. On y rejoue, tout le monde peut participer. Est-ce que ça serait pas trop baisé? C'est quoi cette musique de baiser mental?
Inox, n'arrête jamais tes lives, merci mon frérot. C'est... Merde, ça comptait pas là, j'avais une arme de merde. N'arrête jamais tes lives sur ce jeu, t'es le best. Merci mon frérot. Bah vous m'avez la plupart connu grâce à ce jeu, mais... Ouais, Inox fait ça. Ouais les gars, pour faire ça, faut de l'argent. Pour faire ça, 1000 euros de cash price. Mais non, frère. Si on fait une compétition de France, on met 6 chiffres le cash price, frérot. Tu rêves trop, ouais. J'ai juré, je rêve trop. Déjà fait par Solari il y a 2 semaines. Ouais, mais est-ce que c'est vraie compétition de France? Est-ce qu'il y a une finale dans un stade et tout? Imagine, on fait une finale, les 100 meilleurs joueurs de France. Tu fais des qualifs, les 100 meilleurs joueurs de France, tu les mets dans une salle avec du public, tu mets un écran géant. Comme les trucs qu'ils font sur League of Legends, mais avec Fortnite. Non, faut le faire. Faut le faire. Si le jeu est bien, faut le faire. Merci, exceptionnel, Alex. Merci beaucoup. Si le jeu est bien, faut le faire. Mais bon, si le jeu est bien. Si là, on voit que c'est stylé. Déjà là, moi, j'aime bien. Là, pour l'instant, les premières games que j'ai fait, ça semble très très bon, cette histoire. Merci, Gaëtan. Merci beaucoup. 1 million d'euros. En cash prize, ça va être chaud. 1 million d'euros, c'est chaud. Rembourse ton serf, déjà. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, c'est des projets comme ça, c'est incroyable. Ça dit quoi, les BG? Tu rêves un peu beaucoup, mais ça serait d'art de ouf. Désolé, j'arrête de renifler. Tu rêves un peu beaucoup, ouais. Les gars, dans la vie, faut rêver. Je l'ai toujours dit. Je le dis et je le redis. Faut rêver. En plus, Fortnite, ils regardent le live. Ça veut dire, à tout moment, ils m'écoutent. Et ce que je dis, ils prennent en conscience. Ils disent, ah ouais, ouais, on va réaliser son rêve. Je compte sur eux. Mais en vrai, faut rêver, les amis. Si on rêve pas, y a rien. Donc, je m'en bats les couilles et j'ai proposé cette idée. Ça se trouve, on sait jamais, tu vois. C'est une idée à la con, mais... En vrai, c'est pas une idée à la con, c'est stylé comme idée. Fais ça, s'il te plaît. En vrai, ça serait exceptionnel. Imagine, dans le lobby, tout le monde peut jouer. Tu fais les phases de sélection. Pendant un an, tout le monde peut tenter sa chance. Et après, PAH! Mais oui, les amis, je rêve un peu trop et je m'en bats les couilles. Je n'arrêterai pas de rêver. C'est qui dans One Piece qui a dit ça? Qui a dit, faut pas arrêter de rêver? Comment percer au jour d'aujourd'hui? Merci, Fanny. Je sais pas du tout. J'ai pas le truc, quoi. Crois en tes rêves. Voilà, les amis, croyons en nos rêves. Croyons en nos rêves, les amis. Merci en tout cas à tous ceux qui sont sur le live. En tout cas, moi, cette saison sent très bon. Elle sent très très bon, cette saison. On va voir si on kiffe. Si je prends du plaisir à jouer, là. Déjà, ça commence bien, je prends du plaisir. Si je kiffe et qu'on se fait des lives souvent, putain, il y a moins que je me remette de temps en temps à faire des lives dessus si vous kiffez. Parce qu'il faut aussi que vous kiffez. Si vous kiffez pas regarder les lives sur Fortnite, c'est un peu chiant, mais... En vrai de vrai, j'ai jamais vraiment arrêté Fortnite, en vrai. Il est où, le mec? Viens, mec. Le chien, il va me péter la gueule. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Wesh, il est où? Il est dehors? Je sens que je vais me faire péter la gueule. Y'a un mec derrière moi là, je suis pas fou. Hein? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Oh oui les gamins, oh oui. Y'avait un lama là-bas. Putain de merde, c'est la moto. C'est Barbe Noire qui avait dit ça. Ah oui, ok, y'a un mec qui... Le lama il est mort tout seul? Comment ça? Attends, je prends la moto. Oh non, c'est... J'ai juré, elle fait des roues arrière. Elle cabre la moto. Attends. Non mais moi, je kiffais télécharger des jeux sur mon téléphone où je pouvais juste faire n'importe quoi avec une moto. Oh là 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 là, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre. La moto cabre. 45 km/h, 50 km/h, 42 km/h. Ok, ok. On va faire un drift. Go, go, go. Backflip. Oh là là, ça cabre. Oh, ça vole. Merde.
Bon, ça c'était pas dans le topo, les gars. Il est où le mec? T'es où? Matin, midi, soir, je te prends. Là, je suis dans une sacrée merde. Oh putain, les gars, je suis dans la merde. Faut que je me tire. Faut que je me casse d'ici. Oh, le karma. Le karma is coming, man! Ok, Scar. Oh là 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 là, le jeu est trop bon! Le jeu est trop bon! Un maximum de cœurs pour Fortnite dans le chat! C'est quoi ça? J'ai eu quoi là? J'ai pris quoi? C'est quoi le truc que j'ai pris? J'ai la bécane, on peut sauter avec? Je vais aller dans la faille avec. Oh là 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 là! Oh, oh oui! Oh, y'a des méduses! Oh, c'est trop mignon! Bébé! Bébé! Merci, Jack, pour ton sub! Oh, bébé! Elles font quoi? Oh putain! Ah, mais elles sont pas gentilles en fait! Hein? Mais que. Mais elles sont plus là! Pourquoi elles font ça, les méduses, les gars? Oh bébé, bébé méduse. Ok, attends, vas-y, on retourne avec la moto. Ça va les frères, en ce moment, vous allez bien dans votre vie, dans le chat? Ça, moi ça va super. Je me pose des questions sur ma vie. C'est vrai que en ce moment, vous savez, moi je suis honnête avec vous. Je sais quand ça va et quand ça va pas. Je vous dis tout le temps. En ce moment, je me pose des questions. Voilà, en ce moment, je me pose beaucoup de questions. Sur ce que je vais faire plus tard, sur mon avenir. Voilà, fallait que je vous le dise. Je vais bien, mais je suis très pensif en ce moment. Et ça, d'être en live ce soir, ça fait du bien. Je peux vous le dire, ça fait du bien. Elle donne du shield. Ok, ok. Le bébé est mieux. Ok, les gars, on va essayer de faire un backflip. Il y a du stuff, il y a un mec là. Il s'est barré, je crois. C'est un pompe, ça? Il est bien ce pompe, hein? Ouais, ce pompe, il est bien. C'est avec lequel il m'a foudroyé l'autre. Il m'a foudroyé avec ça. Je prends l'ascar. Ça, je prends. On va boire ça. On va prendre les splashs. Ok, parfait. Ok. Oh, la moto! Mais les gars, vous voyez la moto? La moto, c'est jouissif. C'est jouissif, la moto, on est d'accord. Je peux pas monter les montagnes avec. Franchement, bravo, tes vidéos sont incroyables. C'est toi, t'es incroyable, mon ref. Hop, hop, hop. Oh là là. Frappe avec la pioche dans la neige. Tu vas être au chômage. Quand? Non, ce pompe est pas ouf. Si tu veux parler, non, que je suis là. Vous êtes tous là, si on veut parler. Moi, je vais vous dire un mot. Vous voulez parler? Vous voulez parler? Ok. Vous voulez parler? Vous voulez parler? Le saut! Le saut de la mort! C'est Son Goku qui va le prendre. Mais pour cela, il ne pourra pas le faire. Il va devoir se transformer. Monter sur sa moto. Préparez-vous au saut le plus grand de Fortnite Battle World Epic Game dans 3, 2, 1. Dans 3, 2, 1.
suis bloqué. Je suis bloqué. Waouh. Ok, c'est bon. Flop. Oh le flop monumental. Oh le flop de baiser, frérot. Oh non, le flop est... Le flop est aberrant. Aberrant, le flop. Respectez ma bécane, s'il vous plaît. Oh ouais, le... Oh le flop. Oh le flop du saut. Il y a un fort, les gars, il y a un fort. Il y a un fort, il y a un fort, il y a un fort. C'est nouveau, ça. C'est quoi le nom? On n'a pas exploré. On y va ou pas, les gars? On va dans le fort? Ah, c'est un jet ski. Ah non. Ah ouais, non, je me suis dit... je me suis dit c'était trop beau pour être vrai. Ok, les gars, on va aller voir dans le fort ce qui se passe. On va voir ce qui s'y passe. Oh, attends, j'ai Jerry qui m'envoie un message. Pistolet amplifié. Guerre des buissons. Ah, je peux descendre. Les véhicules dans lesquels vous trouvez consomment plus de carburant. Les armes qui utilisent des balayères se rechargent plus vite. Ça, c'est mes atouts, en fait. Ça, c'est mes atouts. Ça, c'est mes atouts, ça. Y'a un mec. Il est où? Hola, chica! Comment est-ce? Let's go! J'ai eu! Ok, GG. Ok, on en a tué une. Faut que je loot du stuff, les gars, là. Faut que je loot du bois. Ok, je loot. Si tu fais top 1, tu dois plus dire les gars, mais les meufs pendant tout le live. Ok, ça marche. D'ailleurs, je dis tout le temps les gars, c'est vrai. Non, il y a les meufs aussi. Il y a les meufs aussi. Mais les... ah, d'ailleurs, j'ai une question. Franchement, j'ai une question qui me trottinait hier soir dans mon lit. J'étais tout seul. 4h du matin. J'ai une question. Je me suis demandé pourquoi j'ai pas de pote meuf. En vrai, quand j'y pense, j'ai, dans mon entourage, quand je capte des potes, je vois que des mecs. Mais j'ai pas beaucoup de meufs dans mon entourage. J'en ai, mais dans mon entourage, je traîne qu'avec des gars. Pourquoi? Répondez-moi à cette question. Je pense parce que j'aime les femmes. Ça tire, ça tire. Allez hop, lui je... Lui, je vais lui faire sa fiesta. Alors lui, il va faire sa fiesta. On va faire notre fiesta. Oh, le shoot. Ok, let's go. Un en moins. Apo, Pidi. Ouais, mais je les vois pas souvent. Pidi, Apo, c'est mes potes, mais pas dans mon groupe... dans mode mes potes d'école et tout, tu vois, j'en ai plein. Je traîne avec des gens hors stream à Paris. Je traîne pas avec Apo et Pidi à Paris. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est plus dans mon groupe de potes que je traîne tous les soirs et tout. Enfin, tous les soirs, je traîne pas souvent avec mes potes, mais de temps en temps, quand je traîne avec mes potes, on est qu'entre couilles. Je sais pas si c'est normal. Ou si vous aussi. Mais j'ai des potes meufs, je dis pas que j'en ai pas, hein, les gars. Je dis juste que, dans mon entourage proche, en mode proche, ça veut dire qu'habite dans ma ville et tout. Je pense que t'es trop immature. Bah voilà, voilà pourquoi. Parce qu'à chaque fois que je vois des meufs, elles disent que je suis immature alors que j'ai 40 ans dans ma tête. Frère, je fais que de penser à mon ex, je pense que c'était la bonne. Qu'est-ce que je peux faire? Merci Jaco. C'était pas la bonne si elle t'a quitté. Fin du discours. Je peux rien te dire de plus. Être charo sans être charo. Déjà, c'est quoi être charo? C'est plus difficile de t'entendre avec des meufs que des mecs. Pourquoi? D'ailleurs, je vois les gars, il y a plein de gens sur TikTok, ils font ça là. Ils font Sigma. Moi, je suis un quoi? Je suis un bêta, sigma ou alpha? Moi, je suis quoi, moi?
ça tire là, ça tire. Y'a des mecs, y'a des mecs. Je sens le top 1, il reste 11 pélos. Wouhou! Sorry, man! Ouah! Ah! Mais ce marteau, il est trop fort! Ce marteau, il est trop fort! Il était derrière le mur, il m'a tué au marteau! Moi, je suis un bêta. Bêta. Hein? Bêta, c'est le moins bien, non? Il y a bêta, alpha, sigma. Moi, je suis quoi, moi? Alpha, bêta, commando. Alpha, sigma, c'est de la merde. Alpha. Moi, je suis quoi, moi? Alpha, c'est le moins bien, moi. Moi, non, alpha, c'est entre les deux. Et comment je fais pour être un sigma? En... Elle venait de dire, je sens le top 1. Oui, mais les gars, c'était la game de chauve. Je viens de revenir sur Fortnite. On peut pas être chaud direct. Laissez-moi le temps de me chauffer. Salut, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo Battle Royale IRL? Merci, Name, for your donation. Thank you so much for your donation. I hope you like the streaming. I hope you like my channel. And I hope you will stay on the stream. Thank you so much for your donation. I love you so much. And take care of you, my friend. Thank you. Thank you so much, Name. Sigma. Moi, je suis Sigma. Comment on fait? C'est quoi un Sigma? Moi, pour moi, je vais vous dire. Si vous voulez être un Sigma, maintenant, je prends les rênes. Là, maintenant, j'arrête de me faire maîtriser. Je prends les rênes. Un Sigma, c'est un homme qui respecte les femmes. Un Sigma, si une femme est en difficulté, ou si un petit garçon ou un garçon est en difficulté, ou un garçon se fait harceler dans votre bahut, ou une fille se fait harceler dans votre bahut, ou un garçon, ou un bébé, ce que vous voulez, un sigma, c'est quelqu'un qui aide autrui. Un sigma, c'est quelqu'un qui reste focus sur ses objectifs, tout en aidant autrui et prenant du temps pour les autres. C'est ça, un sigma. Un sigma, c'est pas quelqu'un qui fait mal aux femmes. C'est pas quelqu'un qui se vante d'avoir ken 10 meufs dans la même soirée du bahut. C'est pas ça, un sigma. Un sigma, c'est un mec, il sait ce qu'il veut. Il n'y a rien qui l'arrêtera. Il veut la femme de sa vie. C'est pas non plus un canard pour autant. C'est un homme clair et net qui dit dès le début de la relation ce qu'il veut. Il ne joue pas avec les femmes. Un sigma, c'est ça. Est-ce que j'ai fait une bonne définition du sigma? Un sigma, c'est pas quelqu'un qui maltraite les femmes ou qui respecte pas les gens. Un sigma, ça aide tout le monde. Putain. Il y a un mec en bas là. Je suis dans la merde. Donc soit t'es un sigma, soit t'es un bêta. Et un bêta, c'est le mec qui pense que pour sa gueule. Et pas aux autres. T'as fini de dire de la merde. Ça, j'ai dit de la merde ou pas? En vrai de vrai, j'ai dit de la merde ou j'ai dit les bons termes? Ça se trouve, j'ai dit de la dé... Oh putain de merde, le jeu. On balle dans la tête. On balle dans la tête. Let's go! Putain. Deviens philosophe. En vrai, les gars, c'est loin de la, d'être philosophe, ça. Réel, tu es un bêta. Moi, je suis un bêta, moi. Les gars, tous les sigmas dans le chat, mettez l'emoji roche. Des sigmas, tous ceux qui respectent autrui, qui ont un objectif, qui ont des ambitions, qui aident les gens. Vous êtes des sigmas. Ça fait quoi ce drapeau là? On est où là? On est sur Warzone? Je fais quoi avec ce drapeau? Putain, y'a mon téléphone qui sonne! Les gars, attendez, faut que je finisse la game. C'est quoi ça? Le drapeau, c'est quoi? C'est quoi le drapeau? Mais attends, je crois que je vais avoir un truc de fou là. Je crois que je vais avoir un truc de zinzin. Je crois que je vais avoir un truc.
Merci Ney pour ta donate. Mais c'est quoi ça? Oh! Mais c'est trop bien! Pas dans la tête! J'ai pas touché? Je l'ai démoli. Je l'ai démoli. Oh! Ouais, mais lui va me faire chier, lui. Comment je fais pour le tuer, lui? Il me faut de l'huile, faut que je me tire. Je vois tous les mecs. Pendant combien de temps, les gars? Pendant combien de temps je vois tous les mecs? Un Sigma, c'est un loup solitaire. Donc rien à voir, tu parles de l'alpha. Eh bah, tu peux être un loup solitaire tout en aidant les gens. C'est ça un vrai Sigma. Les gens qui pensent qu'à eux, c'est pas des Sigma. Hein. Attends. Il est où le mec? Il est parti? Mais me casse les couilles, celui qui m'appelle! Mais putain! Mais voilà, il va me niquer ma gueule! Il me rappelle, je réponds. Je lui réponds, regardez comment je vais l'allumer. Regardez comment je vais l'allumer, celui qui me rappelle. Regardez! Qui n'ose m'appeler maintenant? Qui n'ose? Merci Evan. Wesh, c'est Yamakasi. Là, il m'appelle là, il m'appelle. Allô? Je sais pas c'est qui m'appelle, c'est un inconnu. Oh, y'a un mec. Allez. Ah, c'est un bot, putain. Ok les amis, on est très bien parti pour cette game. Mais les gens confondent Méga et Sigma. C'est quoi Oméga? Mais y'a trop de trucs en fait. Merci Name pour ta donate. Un Sigma c'est loup solitaire. Amitié Figa, y'a toujours un qui est ambiguïté. Il me rappelle. Alors, je vais lui faire sa fête. Allô? Je vais le bloquer. S'il parle pas la prochaine fois, je le bloque. S'il parle pas. Si je réponds et qu'il me répond pas, je le bloque. C'est bon, allez hop. Bloqué. Moi, bon, c'est bon. J'ai plus de patience. J'ai plus de patience, je vais l'allumer. Il me rappelle, je l'allume. Inox, ça, tu m'excites. Merci à l'écouse. Merci, mon ref. Ils sont où les autres, là? Allez, bébé! Oh putain! Oh, j'ai sursauté! Merci Name pour tes 11 euros! Me tire, moi. Moi, je me tire. Le buisson, il m'a soigné! Je suis full vie dans le buisson! Mais frérot, tu dois de l'argent au mec qui. Fait que t'appeler, mais j'en sais rien. Je vais le bloquer s'il me rappelle. Soin blousson. Vous avez une chance de trouver un aspergeur brave dans tous les contenants que vous trouvez. Mais c'est insane ça. Relancer.
fusil recycleur. Mais c'est exceptionnel ce jeu. Allez les gars, faut que je me concentre là. J'étais unfocus on game. J'étais unfocus dans la game. Inox, tu m'excites. Mais les gars, comment ça je vous excite? Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Vous savez les gars que je suis en mode projet chevelon là. Là, je suis vraiment en mode projet chevelon. Je l'allume. Il a raccroché. Vas-y. Si prochaine fois il appelle et qu'il raccroche direct, c'est fini, je le bloque, il pourra plus jamais m'appeler de sa vie, il aura tout perdu. On va prendre ça là. Prenons ça. Ton hume a fuité. Mais non. Sinon là je pourrais plus utiliser mon tel. Si mon hume avait fuité, les gars, j'aurais pas pu utiliser mon tel. Ok, c'est bon. C'est quoi ça? Y'a un Fanta là? Y'a un. Fanta, non, je suis pas trop fan de Fanta. Pepsi. Y'a un Pepsi? Ça m'a redonné de la vie. En vrai, c'est pas si ouf que ça. Sur 10, la nouvelle map ment pas. Ça, 2. Non, je rigole. Non, ça, pour l'instant, j'ai pas tout vu, je peux pas noter. Je peux pas noter pour l'instant, j'ai pas tout vu. Là-bas. Farm les construits, mon ref. Bisous. Merci, frérot. Waouh! Je me tire! Je me demande pas pourquoi je suis parti sans motif! Putain! Oh. Il m'appelle! Mais pourquoi il m'appelle maintenant? Il est où celui? Pouh, alors lui, je vais le fumer. Alors lui. Les saucisses sur moi! Saucisses! Je suis mort, info sûre. Je suis mort. GG, well play, ils ont été meilleurs. Si je le tue, j'ai gagné. Mais c'est même pas mérité! Les gars, c'est même pas mérité! C'est pas mérité! Il me rappelle! Il me rappelle! Mets-lui un coup de pression à la GMK, vas-y. Écoute-moi, espèce de petit merdeux! Arrête de m'appeler! Voilà, c'est bon. Je bloque maintenant. Voilà, désolé, les amis. Des fois, il faut se faire respecter. Un Sigma, c'est ça aussi. Un Sigma, ça sait se faire respecter. Ça sait être gentil. Ça laisse une chance, deux chances, mais la troisième, on ne la laisse pas. Un Sigma, c'est indulgent. Mais il y a un moment, faut pas pousser dans la sauce le mémé, frérot. Il y a un moment, faut doser. Hein. 6 fois qu'il m'appelle, là, il a cru que j'étais son correspondant de chez Orange. Il est fou, lui. Putain. Oh. Allez, c'est parti, on enchaîne. Les gars, je ne peux pas quitter le live sans qu'on ait fait un top 1. Je n'ai pas le droit. Mais merde, c'était mon comptable. Non, je l'ai. Allez, hop, je vous ai prank. Elle était pas mal. Et c'était drôle. C'était pas un flop. Arrêtez, commencez pas, c'était pas un flop, elle était exceptionnelle. C'est grave relou de se faire appeler en boucle. Ouais, de ouf. Après, quand c'est une meuf, ça me dérange pas. Mais là, c'est. Alors, toi, tu prends ton blocage. C'est bon. Oh, tu sais quoi, c'est moi qui va l'appeler. Y'a quoi maintenant? Appel.
Allô? Oui, allô? Arrête de m'appeler! Ok, excuse-moi frérot, vraiment je suis désolé. Voilà, c'est ça, faut se faire respecter. Oh non, il m'a fait de la peine. Il a réussi à me faire de la peine. Oh non. Oh non, il a réussi à me faire de la peine, putain. Il a réussi à me faire de la peine. Oh non, là maintenant j'ai envie de le rappeler là. À tout moment c'était ma banque. À tout moment c'était un gars que je connaissais. Mais j'ai pas enregistré son numéro. À tout moment c'était un gars que je connaissais. Non, c'est pas Amine frérot, c'est pas Amine. Amine, je l'enregistre. Numéro masqué, non mais là c'est bon, faut aller se faire foutre. Hein. T'es qui dans les sports? C'est quoi ton prénom? Mais t'es malade frérot. Mais t'es qui? T'es une meuf? T'es malade. T'es une meuf? Oui. T'es qui? Ben une meuf. Mais pourquoi tu m'appelles? Mais je sais pas en fait, on m'a donné ton numéro. Je sais pas, bah ça. Ah oui, genre là t'as touché les. T'as appuyé sur les chiffres, tu sais pas pourquoi t'appelles là. Non, en fait c'est. Il y a une pote à moi, elle m'a donné ton numéro. Pourquoi tu me dragues? Mais tu me dragues là. Pourquoi tu m'appelles? Je me focus sur mes objectifs, je peux pas t'appeler. Je suis un Sigma. Bah focus-toi sur ta game. Bonne journée, je me focus. Les Sigma, ça reste sur ses parties. C'est quoi ça encore? On est où là? C'est pas Amine. C'est une meuf qui m'a eu au téléphone. Comment ça, elle a mon numéro? Mais c'est quoi ce bordel, là? Mais elle me rappelle! Mais putain! Bon, allez, ok, elle est amoureuse de moi, en fait. Allô? 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 Oh, allô? Pourquoi elle m'appelle en boucle? C'est bon, alors, mode avion. Le mode avion est activé. Je me dessoule dans un paradis captivant. Comment ça? Je sais pas pourquoi je t'appelle. Pour jouer aux cartes, jouer au Uno, c'est quoi l'intérêt? Dis, je sais pas pourquoi je t'appelle. Donc là, tu m'appelles comme ça pour. On va jouer un billard. Je t'invite au bowling. Oui, allez. À d'autres. Je suis pas né de la. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ok! T'es un noob, sa mère. Comment ça, je suis un noob? Regarde ce qu'on fait, nous. Elle. Supercharge. Spécialiste des arcs. Oh là, il me rappelle. Oh là, l'eau. Allô? Oui? Non, mais là, faut songer à. Non, là, faut songer, là. Ça va? T'es qui? Tête. Quoi? Fleur. Non, vas-y, excuse-moi, dérange-moi. Pourquoi tu t'excuses? Je sais pas. Excuse-toi du flop que tu viens de faire. Quel flop? Moi, je t'ai appelé une fois. Hein? Quel flop, ma gueule? Je t'ai appelé une fois. Eh, ma gueule. On se connaît d'où? On a élevé les vaches ensemble? Pour m'appeler ma gueule? Regarde-moi quand je te parle. On a élevé les vaches ensemble? Non, on n'a pas élevé les vaches ensemble. Non, on n'a pas élevé. C'est des malades. Non, mais c'est. Mais hé, hey, moi, c'est bon. Faut se faire respecter. Sigma, c'est moi. Sigma, moi, c'est bon. Trop gentil, trop con. Oh non, mais putain, j'ai pas d'armes. Mais arrête de construire. On n'est pas en effet de CS. Aïe aïe aïe, je suis mort. Aïe. Grenade dans sa gueule. Ok, bon. La game comptait pas, mais les gars, je me fais déconcentrer. Mais je peux pas gagner. Je me fais déconcentrer. Frérot, mon téléphone il vibre depuis tout à l'heure. Ça, c'est un vrai Sigma. Non, mais les gars, s'il vous plaît, venez, on fait top 1. S'il vous plaît, donnez-moi de la force dans le chat. Venez, on fait top 1. Il a fait la grosse voix. Non, j'ai juré. Avouez, j'ai une bonne voix quand je fais le mec viril de fou. Le prochain qui m'appelle, je lui fais la voix viril de fou. Les gens qui appellent en pleine game, c'est relou. De ouf. Ton nu m'a fouetté.
comment ça mon nu m'a fouetté? Mais non, je peux l'utiliser. S'il aurait fouetté, il y aurait 10 000 mecs qui seraient en train de m'appeler, je pourrais pas l'ouvrir. Mais il a ruiné la game, les gars. Ils arrêtent pas de m'appeler, du coup on peut pas faire top 1. Là, je vais me focus sur un faire top 1. Comment ça, un message? Ça va, t'es le meilleur, continue. Bloqué. Merci, merci. En vrai, je lui ai dit merci. Mais je l'ai bloqué quand même. Je lui ai dit merci, mais je l'ai bloqué. Allez, voilà, fais-toi exploser. On relance une game, là. Moi, je veux relancer une game. C'est que ça que je demande. Recherche de la partie. Je me LeBron James. Va zéro build. Venez, on va zéro build, les gars. C'est vrai. Oh, vas-y, allez, on retourne au salon. Celui qui a dit va zéro build, je... Franchement... Les gars, il y a 10 000 mecs qui m'appellent. Vas-y, c'est bon, je réponds plus. Non. Trop gentil, trop con, en fait. Moi, en fait, je crois que je suis... Trop gentil, trop con. Les gens, ils s'arrêtent pas de m'appeler. Battle Royale, zéro construction, solo. Voilà, c'est parti. Hey, c'est trop mignon. Cimer. C'est des hackers. Pourquoi on peut pas payer VIP OneCube avec PayPal? On peut pas encore parce que PayPal, ils veulent prendre 25% sur toutes les transactions. Donc, je leur ai dit non. Ah oui, frérot, ils ont rien fait. Ils vont pas prendre 25% sur la thune que ça génère. Hein. C'est des ouf, eux. Faut payer par carte. Je parie, c'est fait exprès. Non, je vous jure, c'est pas fait exprès. Hein. Il y a vraiment des gens qui m'appellent depuis tout à l'heure. Mais là, c'est bon, ça s'est calmé. Ils appellent plus. Et au pire, là, si ça rappelle, je bloque. Ok, ça relance, les gars. Première game sans nos constructions. Je pense que nos constructions, on gagne. Merci à Hamdi. Sans nos constructions, on gagne, les gars. Inox, il se termine quand le live? Vous voulez qu'il se termine quand le live, les gars? De toute façon, ça fait que... Ça fait combien de temps qu'on est en live? 1h20. J'ai juré, c'est passé trop vite. Je passe un trop bon moment ce soir. Je me sens bien. J'ai passé une bonne journée. J'ai rien foutu de la journée. Mais en fait, du coup, ça fait que j'ai de l'énergie. Parce que des fois, je live, mais j'ai la muscu et tout. Là, aujourd'hui, j'ai fait muscu, j'ai fait le dos, mais je me suis levé tranquille. Je me suis couché à 4h30 hier soir. Je me suis levé à 11h. Ça fait 7 heures de sommeil, Sigma. Un Sigma, emploi du temps de Sigma. Réveil, 11 heures. Couché 5 heures, réveil 11 heures. 6 heures de sommeil, ça suffit pour un Sigma. 4 omelettes, 4 œufs dans une omelette, Sigma. Ensuite, salle de musculation, dos, Sigma. Ensuite, arrivée, stade de foot, match de foot, regardage, Sigma. Finale, live. Avec que des Sigma, j'espère, dans mon live. Voilà, live entre Sigma. Voilà. Terminé, fin du match. Merci Zibra. Merci mon ref Zibra pour ta donate. Merci les gars, vous êtes des bons. Le chat, Sar, vous êtes des bons. Merci d'être sur le live, merci d'être abonné et qui mettent la cloche. Est-ce que vous passez un bon moment? Le but, c'est vraiment que vous passez un bon moment avec moi sur cette nouvelle saison de Fortnite. C'est le principal. Ça fait longtemps que j'ai pas vu sur tes lives, j'avais oublié que c'était bien. Ah bah merci, je sais pas comment le prendre. Tu venais plus sur mes lives, tu reviens, tu dis c'est bien, donc ça me fait plaisir quand même en fait. Mais tu m'as quand même lâché pendant un petit moment, ça veut dire. C'est pas grave, de toute façon on peut pas tout le temps être là hein, dans la vie. C'est comme ça. Hein. C'est quoi Sigma? Sigma, c'est un homme qui est focus sur ses objectifs et personne ne peut changer ses objectifs, qui est droit dans ce qu'il fait, qui respecte les gens, qui aide autrui, qui respecte tout le monde. C'est ça hein, Sigma. Et qui fait les bails dans son coin et qui est un homme de parole. Et qui a des ambitions. Ok, Mascar, parfait. J'ai découvert un nouveau lieu. Donc là, je vais essayer de capturer le drapeau. Comme tout à l'heure, le problème, c'est que je dois tuer tous les mecs qui sont ici. Si je veux capturer le drapeau. Dites, vous pensez que vous êtes quoi dans le chat? Sigma, bêta ou alpha? Alors par contre, moi je sais c'est quoi Sigma, mais je sais pas c'est quoi un alpha. Parce que si alpha c'est moins bien que bêta, je sais pas c'est quoi. Et bêta et alpha, les deux, je sais pas c'est quoi. J'ai pas encore la def. Ok. Il y a une motocross. Donne-nous des nouvelles. Merci beaucoup, Ludo. Tout le monde pense que tu es plus avec. Merci, le boss. Bah, c'est juste, j'en parle pas de comment ça se passe. Parce que j'ai pas envie d'en parler. Mais ça se passe bien. Je lui parle encore de temps en temps et tout. Hein. Ça se passe bien. C'est juste que.
Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai pas envie que tout le temps on parle de ça et tout, tu vois. Alpha, c'est un leader. Et le bêta, c'est les suiveurs. Mais du coup, c'est bien d'être un bêta ou pas? C'est quoi en fait? C'est bien d'être un bêta ou c'est pas bien d'être un bêta dans le chat? Alpha, c'est Giga Chad. Franchement, GG pour ton serve. Il y a plein de youtubeurs qui lui donnent de visu et c'est mérité. Franchement, BV, bah merci mon ref. Sar, t'es un bon aussi. C'est mieux sur construction Fortnite, les gars. Je vais l'attendre là. Il sait que je suis là, vous pensez ou pas? Pourquoi tu farmes? Ah oui, c'est non construction. Il y a celui de là qui va arriver. Mais j'ai pas oublié. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Non mais là, c'est complètement malade ce qui vient de se passer. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Merchera, mais qu'est-ce qu'il fout là? Non mais c'est quoi ce bordel? Non mais ça tu vois c'est injuste. Ça, perdre la game sur ça, c'est injuste, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est... Non là c'est n'importe quoi. Toi t'es un sec pas. Ah bah merci. Merci, franchement lourd, force à nous. Lâche pas l'école, merci. Qu'est-ce qu'il branlait là lui? Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Alpha c'est juste un mec qui domine. Et bêta c'est ceux qui suivent la domination. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ce principe bizarre là? Donc par exemple un alpha s'habille d'une manière et les bêta vont s'habiller pareil. Non mais ça je suis pas d'accord de classer les gens comme ça. Pour moi il doit y avoir qu'une classe. Pour moi je vais être honnête, il doit y avoir qu'une classe. Parce que quand tu crées des classes, ça fait des inégalités, ça fait des disputes, ça engendre des guerres. Donc pourquoi créer des classes là où il ne devrait pas y en avoir? Parce que ce que tout le monde devrait viser, c'est un sigma. C'est être un homme bien. C'est soit t'es un sigma, soit t'en es pas un. Donc si t'es pas un sigma, t'es pas un homme bien. Donc t'as pas le droit d'être un sigma. Mais si t'es un homme bien, t'es un sigma. Mais il n'y a pas de toi t'as un mouton, toi... Frérot, dans la vie, tu peux être un suiveur. Dans la vie, t'as des mecs qui sont faits pour mener les troupes. Mais t'es en train de dire que c'est pas bien d'être un suiveur. Dans ce cas-là, on aurait fait comment pendant la guerre? Si tous les suiveurs, c'était pas des suiveurs. Bah, en vrai de vrai, c'est qui va se battre? C'est les suiveurs. Donc, en vrai de vrai, si tu dis que les suiveurs, c'est pas bien d'être un suiveur, bah dans ce cas-là, enfin, comment dire, on serait venu à rien sans les suiveurs. Donc, si des gens vous disent, ouais, t'es un mouton, t'es un suiveur, c'est pas grave. Il faut des suiveurs. Il faut des suiveurs au leader. Sinon, le leader, il fait quoi? Il va rien faire. Tout seul, on fait rien. Il peut pas y avoir 10 000 leaders. Mais s'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de suiveur. S'il n'y a pas de suiveur, il n'y a pas de leader. Donc arrêtez de dire qu'il y a des mecs, c'est des moutons, et qu'il faut être que des meneurs. Non, tu peux être qui tu veux. Faut juste que tu aies envie d'être celui que tu es. Malade mental. Oh là 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 là. Oh, j'ai une maison qu'à moi. Tu parles beaucoup, ok. Force à moi. Force à moi, je suis pas sur mon live, c'est vrai. C'est vrai que là, je suis sur live d'autrui. Carrément, il y a 10 000 mecs qui parlent avec moi. Si je parle pas, bah. J'ai pas besoin de parler en vrai. Désolé, j'arrête de parler. Je parle trop, désolé. C'est bon, j'arrête. Toutes les games, lui en plus, c'est sûr que c'est un stream hacker de merde. Voilà.
Pourquoi tu fais ça? Je reviens sur ton jeu préféré. Je reviens sur ton jeu préféré. Tu me streamas. C'est comme ça que tu me remercies. C'est à cause de toi, t'es pas un Sigma. Toi, tu n'es pas un Sigma. Et t'es pas non plus un suiveur. T'es rien du tout. Et pourquoi je farm aussi? Je suis en non-construction. Mais les gars, à chaque fois, j'oublie que je suis en non-construction. Je suis désolé. T'es vraiment un flopo. Arrête de farm BG. Mais oui, je sais, je suis en no build. Je suis trop con, je farm alors que je suis en no build. Voilà, voilà Inox. Il y a un mec sur Twitter, il dit qu'il a ton tel. Bah force à lui. Arrête de farm, c'est bon, j'arrête de farm. Non, la prochaine game, on la win. Ça va passer sur les comptes Insta Motivation. Phrase de philosophe. Je crunch sur une meuf déjà en couple, que faire? Bah si tu crunch sur une meuf, c'est que t'es déjà passé à l'acte. Par contre, si tu crushes sur une meuf, qu'est-ce que tu dois faire? Bah, je sais pas, t'essayes de lui parler. Voilà, t'essayes de sympathiser. Voir si, hormis le fait qu'elle est jolie, elle te plaît intérieurement, parce que c'est important. Et si c'est le cas, va la voir, propose-lui un café. Et date-la. C'est vous les meilleurs, le chat. Faites-vous des cœurs dans le chat, mais faites-vous des flammes, des pouces bleus, des abonnements. Vous êtes les boss, ne l'oubliez pas. Il est où le chien? Le chien, il s'appelle Ace. Il est à la maison, les refs, il est à la maison. Ah tiens, on l'a pas découvert ici. On va y aller, j'espère que je vais pas me faire streamag. Help, il y a un mec trop beau dans mon collage, je sais pas quoi faire. Concentre-toi sur la game. Bon, on se concentre sur la game ou pas? Est-ce qu'on se concentre sur la game ou on parle? C'est votre choix. Soit je me concentre cette game et je fais top 1, et après on parle. Soit je parle et on s'en fout du top 1. Maintenant, moi je vous dis, si vous voulez, je me concentre et je claque un top 1 là maintenant. Parce que je crois qu'il y en a qui commencent à être un peu impatients d'avoir un top 1. Donc bon, je pense que je vais m'y mettre. Vas-y, je vais vous faire un top 1. Allez, ça dégage. Je vous l'ai dit, hein. Vous voulez du sérieux? On va jouer au sérieux. C'est quoi Slap? Slap Juice. Ça fait quoi ça, les gars? Slap Juice. Inox Président. C'est vous les présidents. Ok, parfait. Ok, pour l'instant, on a du bon stuff. Attends, on met ça, ça. Hop. Ça, là, sniper. Il est bien le sniper, le chat ou pas? Moi, je préfère sans construction, le chat. Je préfère vraiment sans construction. Pourquoi il y a Terminator, là? C'est vrai, il y a no build. S'il me tue, je porte plainte contre le jeu. Ok, j'ai failli porter plainte. Heureusement que c'était un bot, sinon j'étais mort. Et faut que j'arrête de farm, putain. Ça, faut vraiment que j'arrête de farm. T'es le meilleur, c'est vous les meilleurs. Ça, en vrai de vrai, vous êtes les meilleurs. Vous vous rendez compte, les gars? Moi, je vais vous parler franchement. Hein. Je suis pas philosophe et tout. Hein. Je fais pas le... C'est pas pour... C'est quoi ça? C'est pas pour le faire le philosophe ou quoi. Mais en vrai de vrai, dites-vous, il y a 4 ans, pile, hein, on était en live. Il y a 4 ans pile, on était en live sur Fortnite. À la même date. Et on avait 200 viewers. Aujourd'hui, vous êtes encore là. Et vous êtes 200, 100. Donc, 100. Et vous êtes plus que 1000 fois plus qu'avant. Aberrant. Vous vous rendez compte? Merde, faut pas que... Tixi veut jouer. Tixi veut jouer là? Il veut que je le carry? Est-ce que vous vous rendez compte, le chat? De la dinguerie. 4 ans jour pour jour. Il y a 4 ans jour pour jour. On était sur Fortnite en train de jouer. Mais on était 200 pour le coup. Je te suis depuis l'île Maurice. Merci. On était 200, aujourd'hui je sais pas vous êtes combien sur le live, mais... Merci qu'il y a... Tixi veut du haut, dites-lui que je finis ma game et je le rejoins. Dites-lui d'aller sur le TeamSpeak de OneCube.
Dis-lui d'aller sur le TeamSpeak de OneCube. Je le mouvrai dans mon channel. Et on se fera une game. J'adore tes lives et tes vidéos. Merci mon ref. Ou ma pote. Je te suis depuis 3 ans et demi. Vous me suivez depuis combien de temps? Mentez pas. Vous pouvez pas me dire depuis 4 ans. Vous étiez pas autant il y a 4 ans. Mentez pas les gars. Aujourd'hui on est 35 000. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme les gars. 35 000. Vous êtes 35 000. À me regarder en live. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je me rends à moitié compte. Je pense qu'il faut prendre des motos en nos builds. Hein. Oh, c'est quoi ça? Ah, lance-bandage. Oh oui, jusqu'à la muerte, on sera avec toi. Merci Freddy, t'es un bon. Merci beaucoup mon ref, tu mérites ton soutien. Merci Fleco. Merci Neymax. Merci les gars. 2 ans, 1 an, 3 ans. 3 ans, 4 ans ça. 4 ans, 3 ans, 4 ans, 2 ans. Personne depuis cette année là. Y'a personne qui me suit depuis que cette année là. Y'a que des anciens là sur le live. Va sur son sur ton serveur Discord. Merci Stéban. Dites-lui sur mon TeamSpeak OneCube. Je le rejoins après on fait une game avec lui. De toute façon, les gars, je vous ai dit, je finis le live sur un top 1. Oh, il y a pas mal de stuff, dis-moi. Depuis la vidéo, 1000 euros de dons. Ah ouais, les gars, vous êtes des anciens. Mais ça veut dire, dites-vous, si vous me suivez depuis ce temps-là, vous aviez 4 ans au moins. C'est-à-dire, vous aviez peut-être 12 ans. Et là, aujourd'hui, vous en avez 16. Il y en a, ils ont 14. Il y en a, ils ont 18 ans maintenant. C'est baisé quand même. Moi, je vais avoir 21 ans. Dans 2 mois, j'ai 21 ans, les gars. Perso, je t'ai découvert il y a 1 an. C'est vraiment... Merde. Ça fait 2 ans que je te suis. Merci, ma cour. C'est mon amendement le plus rentable. Tu mérites, mon ref. T'es le boss. Merci, Orly. Merci, Mariam. C'est quoi, ça? Non, je prends pas. Je prends pas. Tu connais l'île Maurice? Ouais, je suis déjà allé. Mais ouais, je vais avoir 21 ans. 21 ans. J'ai commencé YouTube, j'avais 11 ans. Baisé, frérot. Moi, j'avais pas beaucoup d'abonnés, mais... Tu as fait des progrès en 4 ans. Merci, Gaëtan. Ouais, moi, je suis content. Je suis content des progrès que j'ai fait en 4 ans. J'ai appris tellement de choses. À 20 ans, j'ai appris plein de choses que... Au mieux de les apprendre à 28 ans ou 30 ans, je les ai appris en 4 ans, de 16 ans à 20 ans. J'ai appris trop de trucs. Sur l'être humain, déjà. Sur le business aussi, parce que ça on vous le dit pas, mais c'est un monde triste, hein. Ça dépend, mais en tout cas le business, je trouve des fois c'est... Ça gâche des choses. Mais bon, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, je suis encore un minot, mais... Je pense que j'ai appris plein de trucs. J'ai envie d'apprendre d'autres trucs. Mais je pense que j'ai appris plein de trucs sur l'être humain. Oh, mais il y a plein de lames ici. Après, bon, voilà. Je suis encore jeune, hein, j'ai encore plein de trucs à apprendre. On a tous plein de trucs à apprendre encore. Putain, il y a 3 lamas. C'est la montagne aux lamas, là. Parfait, ça. Mais il y a que du heal, en fait, dans les lamas. Il n'y a que du heal. Faut que j'arrête de farm, putain. Merci de me le répéter, les gars. Je galère un peu. Voilà, c'est bon. Là, on est bien. Là, c'est top 1, hein. Je m'en bats les steaks. Hein. T'imagines, plus tard, on devient des légendes de YouTube. Putain, cet extrait, vous me l'envoyez tous les jours. Alors qu'on n'est même pas encore des légendes. Regarde, les légendes de YouTube, c'est, je sais pas, c'est Squeezie, Mister V, Cyprien. Nous, on n'est pas là encore. Hein. On est encore loin, les gars. Mais on donne tout pour y arriver, on y arrivera un jour. Ok, vas-y, je fonce. Elles sont bonnes, cette game, les gars. Il reste 16 remain. Ça sent très très bon, cette game. Là, y a rien. Là, y a rien. Là, y a rien. Y a
Y'a personne? Y en a d'un. Moi je suis depuis que t'as connu Miguel. Ah frérot, le petit Michou. Toujours en bleu sang, frérot. Inox et José, t'as pas donné, je sais plus que ça. Mais t'inquiète, mais Yanis, t'inquiète, t'en fais pas, mon ref. Je te connais depuis le Maroc avec les croutons. T'es le boss, merci. T'as bientôt plus d'abos que Mister V. Ouais, mais ça veut rien dire, les abos. Mister V, les gars, tu peux pas me comparer à Mister V. Mister V, c'est légende, comme je t'ai dit. Squeezie et tout, là. C'est des légendes. Ça veut rien dire, les abos. Tu peux avoir 6 millions d'abos. T'as des mecs qui ont 1 million d'abos, ils font des meilleurs trucs que toi, hein, par exemple. Hein. Les abonnés, les gars, ça veut rien dire. Ok, parfait. Je vais aller le fumer, lui, là. On va aller le fumer. Je sais pas, il est passé où? Je sens qu'il va me fumer. Je sais pas... Ok, non, c'est bon. On va aller dans la ville. Ça, à côté de Renault. Merci, Arthur. Bah, bienvenue, mon ref. Merci, Enzo. Mais il est où, le mec qui me tire dessus? C'est bon, il m'a enlevé que du shield que j'ai sur moi. Ok, parfait. Attends, je vais prendre mes petits gadgets, là. De Tom et Jerry. Fusil recycleur. Oh non. Allez, hop, ça dégage. Retour au bercail. Bye, bye. Ça, c'est magnifique. Oh là 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 là. Merci, Swan. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Ça sent bon. Il reste 10 remains, les gars. C'est le top 1, c'est là, c'est sur cette game. C'est la Thompson? On dirait la Thompson. J'ai 27 ans. Je suis trop vieille pour toi ou pas? Non. Là j'aime bien ce petit endroit là. Je pense qu'en game comme ça. Les gars, vous me conseillez quoi? Je prends le marteau ou je garde le lance-bandage? Parce que je pense qu'en no build le marteau pour move c'est pas mal. Pardon. J'ai dit que j'arrêtais de renifler mais désolé. Je pense que le marteau est worth à jouer, les gars. Je pense que c'est pas mal. J'ai une carte ou pas? C'est quoi ça? C'est un drone? Hein? Quoi? C'est... Ah non, c'est un poisson. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un poisson? Je prends quoi, les gars? Couronne? On s'en fout de la couronne, non? Marteau? Ok, tout le monde dit marteau. Garde-le! 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 Ah, vous... Ah non, vous me dites de garder, ok. Oh, y'a un mec là. Putain, j'arrive pas à le toucher. Faut que j'arrête de mitrailler comme ça, de rafaler. Faut pas mitrailler, les gars, ça sert plus à rien. Il est dans le buisson, mec. Oh, ça tire à bas. Eh, hey, j'ai plus la Thompson ou je rêve? Oh oui, bébé! Oh oui! Oh, ça fait du bien! C'est quoi ce truc-là? Hein? C'est quoi ça? C'est bien ça ou pas, le chat? C'est quoi ça? Je connais pas, hein. Je sais pas ce que c'est. C'est tout nouveau pour moi. Hein. C'est bien ce truc machin-là? Y'a un mec là? Faut que je tire avec? Ah, skip, c'est bien. Tout le monde me dit dans le chat, c'est d'art. Ça tire en rafale? Ça explose? Oui, incroyable, incroyable, incroyable. C'est très bien. Ok. Là, je me focus, les gars. J'arrête de parler.
Allez, gagne cette game, faut que je la gagne pour vous celle-là. Il y a un mec en marteau, encore un. Il est où? Oh la dinguerie! Mais c'est quoi cette arme du futur? Ah non mais les gars, par contre c'est surcheaté, il y a une Scar en violet là. Faut que je la prenne. Les gars, en SAR, j'ai pas perdu mon niveau tant que ça. Hein. J'ai pas tant perdu de niveau que ça. Hein. Je vais aller là-bas. Faut que je remonte, comment je fais? Je peux mourir là. Je vais nager au pire, je suis con. Bah oui, tout con. Je prends pas la couronne les gars, après les gens ils veulent me tuer. T'as jamais une nivée. Ah bah si merde. Ouais, il y avait un colis mais ça me sert à rien, j'ai déjà un stuff de fou. Pour moi, faut qu'on se postiche en dessus de la montagne. Éveille ton gear second et top 1, t'inquiète mon ref, on va le faire. Top 3 là, top 3 les gars. On est top 3, on est pas mal. Faut analyser où sont les gens. Qu'est-ce que je vais au colis? J'ai bien envie de me taper un kiff. Hein. Attends, je vais prendre mes gadgets. Effet ressort. Vous sautez plus haut, une gravité réduite quand vous sprintez. Putain, incroyable ça. Ça fait quoi ça? C'est infini ça? Ça dure combien de temps? Mais ça, c'est les meilleurs ajouts qu'ils ont fait. Hein. Oh non, c'est 2 secondes. Ah non, c'est bon. Yeux clairs ou yeux foncés, les deux. Il y a le colis, mais les bas, ça sert à rien. Par contre, il y a un mec. Oh oui, bah, c'est ma cœur, ça. Bah oui. Comment il m'a vu, lui? Il est où? Celui qui m'a tiré dessus? Vous le voyez? Genre il m'a vu. Il est où? Lui c'est un streamhacker. Merci Jojo. Faut que j'aille en face sinon je vais canner. Que j'aille me poster sans fâche. Pourquoi il prend du build lui? Ça met pas de dégâts en fait ça. Faut que je touche le mec pour mettre des dégâts avec ça. Que je casse ma voix, j'en ai besoin pour après, mais. Oh là 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 là! Nouvelle saison top 1, voilà les amis!
va demander de plus? Dites-moi, mais qu'est-ce qu'on va demander de plus? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? En no build en plus. Terminé, fin du match. Terminado, fin of match. C'est fini, fin. Merci Lila, Noël Tube ce soir, merci. Il y a moins qu'on passe un petit coup, faire une petite game et encore chez le temps. Il y a moins qu'on se fasse une petite game de One Tube à la fin. Mais top, putain. Trop bien. Est-ce que tu existes sur le disque de l'ETS? Oh là là, les gars, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là là, moi je suis chaud, on se fait une game avec Tixi. Je vais lui dire, c'est une game. Je vais. Allez, une game, comme ça on finit à 22h30, je passe sur OneCube en vitef. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Les gars, le jeu est trop bien. Voilà, je le dis. Faut arrêter de faire les moutons Fortnite finito. Rien du tout, le jeu est bien. Le jeu est vraiment bien. Tu feras une vidéo avec Mr. V ou un concept, je sais pas du tout. V2 Steve. Je sais pas du tout. Putain, les amis, let's go! Let's go, man! Let's go! Ça fait plaisir, ça fait plaisir! Le pass de combat, ah ouais, je dois l'acheter, putain. Je l'achèterai quand je coupe le live. Parce que je peux pas mettre ma carte là. Mais quand je coupe le live, vous inquiétez pas, je l'achète. Alors attendez, je vais aller sur TS, on va voir si Tixi est là. TeamSpeak. Favori, Hexagame. Skin est là. User enter ah oui, là. Je vais aller dans User left your channel. Owner. Il est où? Tixi. Attends. Je peux pas le move. Allô Tixi. Allô, allô, allô. Oh, ça va quoi mon rêve? Un revenant. Ah, ça fait longtemps. Un revenant. Mais frérot, mais... Il y avait plein de Tixi dans le channel, là. Mais où étais-tu passé? Ah, j'étais là, une petite pause, j'ai pris un peu l'air. Mais c'est plus une pause, là. C'est... Ah, c'est vrai que c'était long, c'est vrai que c'était long. C'était long. Mais qu'est-ce qui te fait revenir? Je sais pas, là, le nouveau chapitre. Oh, le nouveau chapitre. Bah alors... Ah, il a l'air pas mal, hein. Frérot, j'ai juré... Tixi. Ouais, j'ai vu ta game et tout. Eh, il est incroyable, le chapitre. Ouais, non, je pense que c'est l'un des meilleurs chapitres, là. Il est incroyable. Tixi, moi je demande qu'une chose. T'as entendu ce que j'ai dit au début du live? T'as dit quoi? J'ai dit si le jeu est bien, je veux qu'on y rejoue tous. Je fais une compétition de France de Fortnite et c'est un truc de baiser. Une LAN genre? Une LAN, j'aimerais trop faire ça. Un vrai truc? Un vrai truc. Ah ouais, c'est vrai que ça doit être bien. Si tu fais vraiment un vrai truc bien organisé, bien truc. Oh, ça pourrait être baiser. Et en mode tout le monde peut participer et tout. Ah oh, non, ça serait incroyable. Ouais, ça serait un bon truc. Tu veux faire quoi? Du no build ou... Frérot, moi j'arrête le live vers 22h30 dans ouais, les environs. Bah, on se fait juste une game histoire de. Frérot! On claque un top 1 et c'est fini, je finis le live en beauté. Vas-y, carré. On sait quoi, du no build? No build, ouais. Les gars, on fait que du duo. Giovanna Lynn veut jouer avec nous. Les amis, on jouera avec lui. Je sais qu'il fait beaucoup de Fortnite. Dites-lui, on joue avec lui la prochaine fois. La prochaine fois, je jouerai avec lui si vous voulez. Mais ça fait longtemps que j'ai pas joué avec Tixi. Ça me fait plaisir. Ça va ou quoi, mon petit kid? Joe, on jouera mon ref la prochaine fois. Ouais, t'inquiète, le temps qu'on reprenne le jeu un peu nous deux. Ouais, ça va ou quoi, Tixi? Gros, tu sais que t'étais venu dans mon studio, c'était il y a combien de temps? La dernière fois que je t'ai vu, c'est quand t'étais venu dans mon studio. Il y a un an et demi, je crois, non? Hein? Il y a un an et demi, putain. Ouais, ça fait longtemps, ouais, c'est passé vite, hein. Il y a un an et demi, quoi. Les gars, le temps passe vite, hein. Ça passe trop vite. Le temps passe vite, hein. À quel âge maintenant? T'étais plus jeune ou quoi? T'étais plus jeune que moi, non? Là, J'ai 20 ans. J'ai 20 ans, là. T'as quel âge, toi, là? Là, je vais faire 22, là, le mois prochain. Putain. Ah, bah ça va, t'as mon âge, en vrai. Ouais, t'as mon âge. Joe Lavani, on joue la prochaine fois, mon ref. Là, on va pas jouer longtemps avec Tixi, mais si tu veux, on se fera une session. On se fera une soirée, on fera une session, mon ref. Ah, mais tu vas vraiment organiser, là, ton tournoi? T'es vraiment chaud. Mais, en fait, je t'explique. Si les gens kiffent le jeu, là, et que... J'en sais rien... Je trouve que c'est incroyable si je peux organiser un truc comme ça. Genre ouais, une Coupe de France. Mais pas genre des FNCS, genre vraiment une Coupe de France. La finale, ouais, je mets 100 PC au même endroit avec un public et tout. Pas fun. Compétition. Compétition au max, genre. Ah, compétition au max de baiser, hein. Et genre tout le monde peut se qualifier. Tout le monde peut se qualifier. Genre comme tu genre lances le jeu, tu peux te qualifier dedans. Ouais, genre une Coupe du Monde, mais en France. Ouais. Ah, stylé de fou. Non, ça serait incroyable. En plus, pour un premier jour, elle est vraiment bien, la saison, je trouve. Hein. Ouais, non, franchement. Les gars, est-ce que ça serait pas incroyable? Bon, Tixi, on va où? Tu connais la map, toi? J'ai joué 2-3 heures, mais après, je sais pas. J'ai mis no build, hein. Merci, BK. Tu veux faire un spawn agressif?
Viens, on spawn. Viens là, viens là, viens. Viens, saute. On va dans la neige. Ouais, faut que je découvre les trucs. Ouais, moi aussi, j'ai jamais été là-bas. Faut pas qu'on farme, hein. Faut pas qu'on farme. Ça sert à rien. Tu peux pas farmer, tu peux pas. Toi, tu préfères quoi, no build ou build? Je sais pas, justement, c'est ça que j'avais demandé en plus. Tu veux le faire en quoi, no build ou build ton. No build. Ouais, ouais, parce que pour que les gens ils reviennent sur le jeu, je pense qu'il faut faire no build. Parce que build ça sert à rien, il y a trop d'écart. Ouais, c'est du déjà vu, tu vois. Ça fait 5 ans, il y a du build et tout. Et en plus, je pense qu'en. En compète, du no build ça peut être incroyable. Ouais, c'est plus stylé à regarder. Ouais. Parce que tu dois prendre la pause. Partout et tout. Ouais, c'est plus stratégique en fait. Ouais. Oh non, si ça se fait, c'est incroyable. Non, mais je crois en mes rêves, Tixi. J'y crois. Non, mais en vrai, tu peux largement le faire. Hein. Ça peut être baisé. Hein. Baiser 22. Tu peux largement le faire. C'est Yamakasi. Il y a du monde. Il y a du monde, tu vois des mondes, toi? Non, j'ai vu personne. Ok, parfait. Bah, go loot, go faire un top 1. Et on est bon. Mais attends, du coup, ça veut dire là, tu livais entre temps ou pas? Non, ça fait quoi? Ça fait 3 mois, j'ai pas live, je crois 4 mois. Attends, t'as pas live depuis 4 mois et là, tu lances un live comme au calme, comme si de rien n'était. Ouais, mais le jeu, il me. Merci, Baker. Non, je suis pas en live là. Ah, t'es pas en live? Non, je vais faire une petite. Mais comment le chat, il me dit que tu voulais jouer? Que j'ai écrit un message dans le chat. Ah. Non, je suis pas en live, je vais juste faire une game histoire d'œil, tu vois. Là. Mais attends, mais le chat, vous voulez que Tixi relive ou pas? Parce que là, Tixi et mon chat, ils étaient contents que tu viennes. Hein. Ah, moi j'attendais juste une bonne saison et. Histoire de me relancer, tu vois, parce que j'en avais marre un peu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passait dans les autres saisons que vous n'aimez pas? Même le chat, dites-moi vous, c'est quoi vos avis? Qu'est-ce qui sont bien dans cette saison qu'il n'y avait pas avant? En fait, moi avant, je trouve que c'était le manque de nouveautés, tu vois, ils ajoutaient pas trop de nouveautés toutes les semaines, c'était toujours la même chose. Ok. Tu vois, la map, elle était pas incroyable, je trouve. Ouais. C'est vrai que la map, je la trouvais nulle à chier. Ouais. Il y a une grosse ici, si tu veux. C'est vrai que la map, je la trouvais pas ouf. Ouais, le marteau, il est cheaté, hein. En au but, là, le marteau, il est cheaté, hein. Il y a un mec. Il est où? Il y a un mec, il y a un mec. Ouais, il a tiré, hein. Ok, je le vois. Il est mort. Bien joué. Tiens, prends ça. On peut plus l'extorquer? On peut plus l'extorquer, je crois. Le décor, la map. Là, le chat me dit la map. En fait. Ouais. Les graphismes, c'était pas fun. En fait, je pense que c'est devenu trop tryhard aussi avec tout le monde qui tryhard et tout, tu vois. Ouais, je vois. Merci Alistar, je t'aime plus que ma mère, Inox. Reviens à Reign of School of Business. Merci, mon ref. Comment ça, je t'aime plus que ma mère? Non, mais on est où là? Merci, mon ref. Par contre, il doit avoir son pote, mais je sais pas, il est où. Non, mais ouais, non, t'as raison. C'est vrai que ça fait un air de renouveau, j'ai l'impression. Bah, je pense qu'ils l'ont vu en plus, Fortnite, parce que l'autre chapitre, il a même pas duré un an, je crois. Ah, ils ont fait exprès, tu penses, ouais, de le raccourcir. Je pense, parce que y a Warzone qui est sorti et tout, tu vois. Il y avait rien de prévu et ils l'ont annoncé d'un coup, je pense. Mais là, tu vois, rien qu'ils aient remis la SCAR, et tu vois, quand tu tires, c'est plus précis comme avant. Ouais, je sais, et t'as vu, ça calcule tous les dégâts et tout. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, c'est stylé. Genre le fait que ça soit un peu plus aléatoire quand tu tires, ça fait que les tryharders ils seront moins forts. Ouais, ils ont plus de mal à. Non, franchement, c'est lourd. T'as un marteau? Non. Attends. Ah, c'est trop stylé ça. Ouais, le marteau c'est baisé par contre. Mais c'est quoi ça? Ça devient d'où? D'Avengers? Je sais pas du tout d'où ils ont sorti ça. Hein. Je sais même pas comment ils ont pu avoir l'idée de faire ça là, ouais, de ouf. Je trouve que c'était genre trop comme avant, il n'y avait plus de fun. Mais là, c'est dard. En plus, ça me fait rappel un peu la map d'avant. Ouais, mais j'avais dit la même chose, le chapitre 1 comme ça, avec la neige et tout. Ouais. Non, ça tue, franchement, c'est lourd. Je sais pas si j'ai fait tout le tour des nouveautés, les gars. J'ai fait tout le tour? Faut que tu ouvres ta map, et si t'as des points d'interrogation, c'est que t'as pas fait le tour. Non, mais en mode de nouveauté dans les gameplays. Genre, tu vois, j'ai trouvé un drapeau tout à l'heure. Ça c'est lourd ça, viens on capture le drapeau. Il y a un marteau ici, ouais, ça sera quoi le drapeau d'ailleurs? Genre tu le chopes et après tu vois tous les ennemis sur la map. Dans un rayon. Tout. Ouais, dans un rayon. Genre, okay. Et t'as du stuff en légendaire. Mais il est long à capturer, non? Ouais, il est ultra long, c'est 1 minute 30, 2 minutes je pense. Okay. Oh putain, j'ai bazooka. La daronne d'Amine, on est ensemble. T'as des flèches de bazooka? De bazooka? Ouais, tiens, 6. Ok, vas-y, parfait. Ah, ici, c'est le tilted, hein, j'ai l'impression. Ah, c'est tilted d'ici? Ouais, ici, il y a toujours du monde. Après, là, il y en a pas. Mais... On prend le drapeau? Hein?
On prend le drapeau. Ouais, viens, on prend le drapeau. Ah, mais on peut pas se protéger avec du pull. Attends, faut que je fasse L. Toi aussi, t'as le réflexe de prendre tes gadgets? C'est quoi ça, les gadgets? Fais L. Ou L. 7. Le truc à droite, là, ton écran. Ah, c'est quoi? Mais j'ai jamais compris. C'est quoi? C'est des gadgets et des atouts pendant la game. Genre, là, je prends destruction. Les objets que vous détruisez ont une chance de faire apparaître des explosifs. Ah, j'ai pas mis de ma. Ou sinon, soit éclaboussant. Vous avez une chance de trouver des aspergeurs dans tout ce que vous ouvrez. C'est des sortes d'atouts qui popent dans la game comme ça. C'est trop bien. Je peux pas l'ouvrir, moi j'ai pas ma touche. Change, hein, parce que je te jure, tu peux avoir des doubles sauts et tout. Ça a l'air fort de fou. Mais là, c'est trop trop fort. J'ai oublié les roquettes, fais chier. Merde. Tu vas voir, de toute façon, là, on va avoir un loot de fou malade, hein, tu vas voir, hein. Loot de fou. Je vais chercher la roquette, je prends le sommet. Vas-y, je prends le drapeau. Le sol, là. On va avoir un loot de fou. C'est bon. Oh, ça pue la merde là. Oh, c'est de la merde en vrai. Hein? Y'a rien du tout. Oh, je suis déçu là. Mais non, moi tout à l'heure j'avais eu des trucs de malade mental. C'est random, je pense que c'est random. Ouais, je pense que c'est random. Vas-y, on se casse. T'es où? Mec, le marteau c'est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur ajout, hein. Le marteau c'est trop bien pour Rotin. Et même pour faire des dégâts, ça fait des dégâts à travers les murs. Ah, ça fait mal? Ouais, 75 je crois, mais à travers le mur, genre ça casse le mur et ça lui met des dégâts. Ah, ça c'est bien pour les mecs qui buildaient comme des fous là. Ouais, de ouf. Là, je sais pas si on peut monter. Le jeu a l'air d'être plus fun à jouer. Un tournoi de. Un concept tournoi Nobule, ça a l'air d'être incroyable. Les gars, donnez-moi la force là. Dites à Fortnite de me laisser faire ça. J'ai juré, on le fait, on fait un truc de PC. Bah en vrai si tu les contacts je pense qu'il y a moyen hein, parce qu'ils ont déjà organisé des trucs comme ça avec Mais là tu sais que c'est eux qui m'ont dit de faire le live, il y a la nouvelle saison et tout. Fais le live dimanche. Du coup bah je fais le live et tout, donc ça veut dire ils sont sur mon live, ça veut dire c'est sûr ils m'entendent. Ouais, moi je pense qu'il y a moyen de faire un truc hein. Dites à Fortnite dans le chat. En plus ça va hyper tout le monde en s'organiser un truc comme ça. Mais tout le monde s'il vous plaît Fortnite, écoutez Inox. On fait une dinguerie. Là, attends, il y a des mecs, je crois. Où ça? Je sais pas, ça tient un roquette, je crois. Ouais. Gros, j'arrive pas à sortir du véhicule. Oh, bah, une tatouche. C'est bon? Ouais, c'est bon, je suis sorti. J'arrive. Ils sont où ceux qui t'ont tapé? Je sais pas, t'as pas entendu une balle? Si, j'ai vu des mecs nous tirer dessus, mais je sais pas où ils sont. Ah, ils ont utilisé une marteau. Ah, je les vois, ils sont en bas. C'est toi, là, avec le marteau? Non, c'est pas moi, justement. Ah, non. Ah, je sais pas, il s'est barré. Je les entends, mais je les vois pas. Ils sont là, en bas. Ah, là. Touché. Crac, crac, crac. L'autre aussi crac. Ah, il est trop stylé cette arme. Attends, on veut le marteau. J'utilise le marteau. Marteau. J'en ai tué un. L'autre il est où? Ah, il est là-bas, il se casse. Attends, je vais mettre un coup de marteau. Mets-lui un coup de marteau. Oh, je l'ai mis. Tu l'as tué? Ça arrive sur toi encore. Où ça? Non, il s'est fait tuer. Il s'est fait des pops, regarde, il est mort là. Ah, c'est moi qui l'ai tué. Ah, il y a encore des autres mecs, je crois. Hein? Mec. Où ça? Moi. Attends, je me casse. Je suis dans la merde. Tizi, je suis dans la merde. J'arrive. Moi aussi, je suis un peu dans la merde. Il faut de l'huile. Viens, on va derrière. J'ai des minis, tu veux des minis? Ouais, viens. Viens, je les jette. Attends, tu peux venir sur moi? J'ai un coffre. Ouais, j'arrive, ils arrivent. Hein. Ils arrivent? Ouais, ils arrivent. Tiens, okay, j'ai des minis. Ok. Je me mets un. Une tuerie votre cavale, le mouchard OMG, une tortue d'attente mercredi. Torture d'attente mercredi, merci Guigui. T'as kiffé la cavale. Les splash. Merci Alistar. Merde, je te les ai pas mis, prends les mini. J'en ai des mini. J'ai oublié. Il est où le mec? Il est où? Ils sont juste dehors, mais je sais pas, ils sont où. Viens sur le toit. Il brûle tout. Qu'on se tire. J'ai envie de sortir, mais j'ai l'impression qu'ils nous attendent. On met un coup de marteau, on se casse vers là-bas. Attends, 1, 2, 3, vers là-bas, go. Vas-y, go. Oh, le move de dégénéré. Ils sont derrière, Ils nous suivent en marteau. Mais ils sont où? T'es où? Ils sont où? Je sais pas du tout, attends, j'arrive, je te suis. Je les vois, hop. Ah, moi aussi. Ah, ça tire, je sais pas si tu les entends. Je vais aller prendre un petit des coffres. Y'a un scar si tu veux. Le chat, notez la saison dans le chat, notez la saison sur 20.
Moi, je mets, pour l'instant, je mets 16. 16 et demi. Ouais, un petit 17, je pense. Ouais, un petit 16 et demi, moi. C'est assez terme, si tu veux. Je sais pas si t'aimes bien. Elle est bien. C'est en gros, ça tire des cristaux explosifs. C'est dingue, en vrai. Ouais, ça peut se chiller. Mais bon. Vas-y, je vais la prendre. Moi, je prends le bazooka. Hein. Non, c'est pas le bazooka. Viens, se tire avec le marteau. Ouais, je vais. Marteau, mais c'est exceptionnel, hein. C'est exceptionnel. C'est pour moi, largement. Ouais, tout mon chat, il met 17 aussi. Ah, c'est une bonne note, hein, 17, hein. 17, c'est une vraie bonne note, hein. Bah, ouais, il y a les tonneaux, si tu veux. Hein? Bah, ouais, on se met les tonneaux. T'as des tonneaux, là? Ouais, il y en a deux. Vas-y, go. Attends. Vas-y. Allez, mec, là. Là. Ouais, attends, viens avec moi. Mort. Parfait. Putain! Ah, je t'ai mis en arrière! Tu m'as mis en arrière! Ouais, j'avais pas. Je dois attendre 8 secondes. Ah, ça va, tu sors large. Ouais, on a le temps. Et moi, je joue même pas l'ascar, je joue l'autre arme, elle est beaucoup plus forte, je trouve. Tu joues pas l'ascar? Celle avec les cristaux, tu joues? Non, regarde, c'est là avec un viseur. Oh, je l'ai jamais eu! Tiens, prends-la. C'est en fait pour tirer de loin, c'est trop. Tiens, prends-la, toi. Ah, mais c'est nul, ça tire pas en. Tiens, ouais, mais je te jure, pour. Attends, tiens. Prends ta scarce, si tu veux. Tu peux dire que les explorers. Tu peux dire que les explorers n'auraient dû être à la place des aventuriers stoppiers? C'est quoi ça? J'ai pas compris, mon ref. Merci, Alistar. Les exploriens auraient dû être à la place des aventuriers, les gars. Voilà. T'as un marteau? Merci, Alistar. Ouais. Vas-y, go, go, go. Mais j'ai qu'une utilisation. Ah, mais c'est bien plus. Fais gaffe, ils sont là. T'es tout seul, Tixi. Oh, ils étaient deux. Fais gaffe, ils sont deux, On va mourir, on va mourir. Fais gaffe. Ah, je les avais pas mis, putain, non. Putain, fais chier. Vas-y, on en refait, on en refait. C'est quoi ce truc des atouts? Attends, il faut que je trouve la touche. Non, faut que tu le fasses, c'est trop cheaté. Attends. Tu le fais, le projet? Ah, merci, mon ref, Jules. Pour l'instant, c'est pas commencé. Trop bien, la collab MHA. Faut que j'achète, les gars. Fais la escupe. Casse la neige pour les boules de neige. Ouais, j'ai vu. Non, en vrai, Sar, les gars, je suis vraiment content de la mage de Fortnite qui est vraiment lourde. Maintenant, je pense que je vais me refaire des petites sessions. Hein. Les gars, vous êtes chaud, on se refait des petites sessions de temps en temps. Faut que tu te mettes prêt. Faut que je me. Mais je suis prêt là. Ah non, t'as quitté toi. Ah ouais. T'es retourné au salon. Vas-y, je retourne au salon. Pour moi, le meilleur truc de Fortnite aurait pu faire, c'est les gants de Spider-Man. Ouais, c'était d'art. Les gants de Spider-Man, c'était d'art. Ou le grappin, quoi. Ah, les gants, c'était quelque chose. Dis à Tixi de refaire des lives. Tu refais quand des lives, Tixi, là? Je sais pas, je pense que je vais un peu m'habituer à la saison, tu vois, histoire de récupérer un peu du niveau, et puis... Tu penses que tu peux re-être dans le top des tryharders ou pas? Si c'est vraiment une bonne saison qui me plaît sur le long terme, peut-être, tu vois. Est-ce que tu peux retryhard le jeu? Est-ce que tu penses que les gens peuvent se dire je vais retryhard le jeu Fortnite comme avant ou pas? Ou c'est trop tard, c'est fini? En vrai, c'est trop. La saison, elle est trop. C'est trop nouveau pour dire ça, tu vois. Il faut attendre. Faut voir en fait comment ça se déroule, ouais, c'est ça. Vous pensez quoi, le chat? Est-ce que ça vous donne envie de retourner sur Fortnite? Est-ce que vous dites ça va être bien pendant un mois et après, fait chier? Vous en pensez quoi, vous? Ça sent les vacances d'hiver avec les croutons. Non, on partira pas en hiver, caca. J'étais pas à l'événement Fortnite, moi, les gars. J'ai pas vu. Oui. Meilleure saison. Non, ça y est, le jeu. Non. Oui, non. Un peu. Oui, grave, ça donne envie. Mitigé, vous êtes mitigé, le chat. Je pense que ça va être bien pendant une saison, après ça va être claqué. En vrai, je pense vraiment que si Fortnite y gère, ils font des bons moves, là. Tu vois ou pas, Tixi? Ouais, genre là, ils ont fait de la merde. Super bien commencé. Là, ils ont re-bien commencé. C'est-à-dire, là, ils ont un bon départ. Maintenant, ils doivent assurer. Ah, ils ont les cartes contre le lendemain. Ils ont les cartes, voilà. S'ils continuent d'assurer
faire des bonnes mises à jour, ça peut donner aux gens envie de retryhard, hein. Non, en fait, c'est ça, il faut de la nouveauté, tu vois. Faut pas qu'ils nous laissent 3 mois sans ajout, sans rien. Mais en fait, ils nous ont habitués à tellement de... Ouais, de dinguerie que... Tout, viens, on va ici. Merci, Flo. Tout, Inox. J'ai sauté, ouais, t'inquiète. Ouais, en fait, au début, c'était trop bien. C'était, je sais pas trop, pour ceux qui ont connu, c'était... De toute façon, en vrai, on reconnaîtra jamais. Hein. Ouais, non, ça, c'est impossible. Ça, les gars, c'est impossible. D'avoir les mêmes sensations que... Ouais, il faut accepter que c'est fini. Faut accepter que c'est fini, en fait. Dans la vie, faut évoluer. Maintenant, c'est pas parce que cette période-là, c'est fini, qu'on peut pas en créer une nouvelle en mode... Non, c'est ça. En mode une nouvelle façon de kiffer le jeu. Là, y a des mecs de partout. Hein. Ok, j'ai un pompe. Des lucioles. T'as des mecs sur toi, là? J'entends des mecs dans le bat, mais je sais pas exactement où. Ah, toi. Non. Eh bien, ouais. Des trucs là, peut-être. Comment ça? Tu les chères ou pas? Non, c'est bon. Je vais prendre ça. Ok, j'ai l'arme que tu kiffes, tu la veux? Non, c'est bon, là, je suis bien. Car en vrai, ici, c'est... Y'a du stuff ici, hein? Wow! Ouais, c'est tilted, je te dis, hein, vraiment, c'est... Y'a le drapeau, on le maîtrise ou pas? Ah, y'a trop de mecs, attends, il faut tuer les mecs, parce que là, on va se tuer direct. Non, j'ai un fort. Ah ouais, j'ai mis le fort. Viens, j'ai mis le fort. Je me cache. Ah, attends, j'ai essayé de tomber d'en haut. Ah, ouais, je suis bloqué? J'étais bloqué? Je buvais même pas, puis j'étais bloqué? Attends, je vais essayer d'arriver, j'ai juste un mec sur moi. Faut cacher, de toute façon, ils peuvent pas me rush. Le problème, c'est qu'il y a un mec sur mon toit, je sais pas comment le tuer. Parce que je peux pas monter. Vive les Explorainers. Les Explorainers. C'est quoi les Explorainers, le chat? C'est quoi les Explorainers? Eh, mais tu sais que je suis toujours en train de prendre le drapeau? Ah ouais? Ma terre? Ah ouais? Faut que tu viennes là. Ouais, mais je te jure, il y a des mecs de tous les trois. Attends. J'ai mis one shot. Bon, tu sais quoi, j'arrive. En fait, viens, tout bien. Parce qu'il y a un mec sur le toit juste en haut. Oh le goat, des GG dans le chat. Attends, fais gaffe, hein, il est juste au-dessus. Derrière toi, y'a un mec. Encore derrière toi. Non, j'en avais tué. Dommage. C'est vraiment tilté, hein. Ah, y'avait trop de monde. Ah, y'avait trop de monde là, c'est le bordel. Eh, en plus, t'avais le drapeau, on l'avait fini. Ouais, on avait fini le drapeau, c'est pas grave, vas-y, last des last. T'as quitté ou pas? Putain, c'est un réflexe. Ou t'as mis l'ancienne partie? Ouais, j'ai quitté. Okay. Vas-y, last les amis. Quel tel tu recommandes pour jouer? Bah, en vrai, je joue pas sur tel à Fortnite, gros. Après, tu peux, mais je te conseille un iPhone, quoi. Tu penses que le jeu peut revenir à son prime? Les gars, le jeu, ça sera jamais la même sensation que vous avez eue. Mais ça peut, ouais, ça peut revenir à un mode, les gens y rejouent, hein. Mais qu'est-ce que c'est Prime, tu vois? C'est dur, les gars, avec le nombre de trucs qu'il y a en ce moment. En fait, le jeu, quand il est sorti, c'était la meilleure période pour sortir. Ils ont pas fait exprès, mais le fait qu'il y ait eu le Covid, c'est le meilleur bail. C'est un truc de fou. Le Covid, gros, c'est Fortnite, gros, il a tout cassé grâce à ça aussi. Hein. Et ça s'est fait au hasard en plus, parce que c'était pas prévisible, tu vois. Non, c'est au hasard, c'est quoi? 6 mois avant, allez hop. 6 mois avant, il sort, bam. Non, moi, ce que j'attends vraiment, moi, pour moi, ce qui peut venir au prime des jeux vidéo, Tixi, là, tu vas me prendre pour un fou. Le chat, je vous le dis, ce qui peut tout casser, c'est bel et bien le Creative 2.0. Et je pense... Ah, j'en ai entendu parler. Et je pense que, écoutez-moi le chat, le Creative 2.0, ça peut devenir le prime d'Epic Games. Voilà, je dis ça. Ça sort quand, ça? Je pose ça là, je sais pas, courant de l'année, je pense. Mais j'ai vu la vidéo de présentation du Creative 2.0. C'était un mini-trailer en 2-2. Le Creative 2.0, vous allez pouvoir créer vos propres jeux, je crois. Enfin, selon ce qu'on voyait, en tout cas, dans le trailer, on voit qu'on peut créer des trucs et tout, personnaliser ces trucs, je sais pas comment. Bref, en tout cas, regardez le trailer, là. J'ai l'impression, le Creative 2.0, ça peut créer un prime de baiser. Merci Niro. Ah, ça va créer un univers en fait. Ah oui, moi je pense vraiment que le Creative 2.0.
ça peut créer un univers de fou. Tout le monde va pouvoir créer ses modes de jeu. Tu pourras faire du Valorant dans Fortnite. Ouais, ça veut dire, c'est les gars, je vous le dis, Creative 2.0, je pense que ça peut être une dinguerie. C'est quand que ça sort d'ailleurs? Janvier, à Skip? Ah ouais, c'est là alors, en deux mois. Oh, y'a un mec sur ton toit avec une arme, fais gaffe. Il a un petit fusil, mais bon. Attends, j'essaie d'arriver. Attends, c'est pas toi? Ah ouais. Oh non. Y'a des cartes ou pas sur le jeu? Mais y'a trop de gens. Quand on est à deux comme ça, on se fait streamer trop facilement. Je sais pas s'il y a des cartes. Y'a pas besoin. Vous, oh, bien joué. Vous pensez le Creative 2.0, ça va flop? Non. Bien joué le sang. Il y a du shit dessus. Il y a des mecs dans la zone encore. Je vais me boire ma pote après. Ça sert à rien de loot. Merci Michael. Ok, j'ai ma scar. Il y a des mecs sur moi si tu veux. Vas-y, j'arrive. T'es solo là. Ok, j'ai des clés. Y'a plus personne? Si, c'est une team, je crois. Où ça? Sur moi, hein. Ou un peu plus loin, peut-être qu'il est ici. C'est lui qui tire, non? Ouais. Ouais, sur moi. Derrière toi! Ah, y'en a encore deux! Regarde, y'en a un deuxième, j'ai plus de balles. Non, y'en a 100, gros. Y'a trop de mecs dans la map. Y'a trop de mecs. J'arrive. Je suis encore à 4 pattes, putain. Il te finit pas? Non. Par contre, j'entends courir à côté de moi. Fais Bélec, hein. J'ai tué deux. Wesh, y'a encore des mecs! Non, j'en avais tué 5. Ah, dommage, bien, wesh. Ouais, c'est pas grave. Non, mais au pire, Tixi, on se refait une session dans la semaine. Ouais, on se fera ça tranquille. On se refait une session dans la semaine. Vas-y, avec plaisir. Bah, bisous, mon petit ref. Vas-y, bisous, mon frère. Tchuss. Bon, les amis, est-ce que vous avez kiffé cette petite session Fortnite? On a découvert la saison. Franchement, eh ben, je pense qu'on peut kiffer. Le problème, bon, les streamhackers, faudra que je fasse gaffe. Mais je pense, hormis ça, j'ai vraiment kiffé. J'ai passé vraiment, premier degré, j'ai passé un bon live. Et j'espère que vous aussi. J'espère que vous avez tous passé un bon live, un bon moment tous ensemble. Et franchement, putain, en vrai, je suis en mode geek en ce moment. Je vais vous dire la vérité, en ce moment je suis en mode geek, Minecraft, j'ai sorti mon serveur, je passe ma vie sur les écrans. Je me ferai bien une petite session Minecraft les gars, mais je dois faire des trucs ce soir, important. Vous verrez peut-être si ça sort bientôt, mais en tout cas j'ai des trucs importants à faire, je peux pas trop tarder le live. Mais je vais passer sur OneTube pour vous montrer, pour avoir votre avis. Alors attends, Minecraft, je vais passer vite fait sur OneTube d'ailleurs. Merci à tous qui sont connectés ce week-end. Puis avec le Creative 2.0, tu pourras créer tes tournois. Grosse dédicace à Jibril de Tours. Merci mon ref. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live. Est-ce que vous avez kiffé le live, le chat? Oui, grave bien. Viens à Maegé le 10, on skie, on te loge. Merci, Laystar. OneCube le sang. Le chat, ça fait plaisir. Ça, je suis heureux. Vous me demandez tous de jouer à OneCube. Vous me demandez tous de jouer à mon propre serveur. Ça fait plaisir. Ça... Ma mère qui m'appelle. Allô, Man? Oui. Ça va? Ah, Ace? Ouais, bah, faut qu'il apprenne à être tout seul, hein. Ouais. Ouais, bah, faut qu'il s'habitue. Non, n'y retourne pas. Vas-y, bah, bisous, bonne nuit. Bisous. Les amis, on jouera à OneCube peut-être demain en live. Ah non, demain je suis sur Zen, mais cette semaine on jouera à OneCube, vous inquiétez pas, j'annoncerai un petit truc sur OneCube avec un petit truc. Je vous annoncerai un petit truc bientôt sur OneCube cette semaine. Les amis, je n'ai pas eu l'occasion parce que bah vous étiez pas là, mais il y a eu une mise à jour sur OneCube, le chat, ceux qui n'ont pas vu. Regardez-moi le hub Noël. Et pour tous ceux qui sont VIP maintenant, vous avez un petit grappin pour pouvoir vous amuser dans le hub et voler et tout. Voilà, petit grappin comme dans le PVP swap. Et donc j'ai changé le hub et j'avais envie d'avoir votre avis avant de quitter ce live. Notez le hub
sur 10, est-ce que vous aimez bien le petit Père Noël avec son, son traîneau, le logo OneCube, le petit sapin de Noël, ici Bedouard, PEP Swap, il y a une nouvelle map Bedouard. Je pense que vous avez vu, j'ai sorti une vidéo sur OneCube, sur la chaîne de OneCube, ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir, j'ai dit un peu toutes les nouveautés qu'il y a eu, et il y a une map PEP Swap qui arrive très prochainement, et un nouveau mini-jeu qui arrive très prochainement, le nouveau mini-jeu il sera là, à la place de ce PNJ là. Il sera là, donc voilà. Voilà le nouveau hub Noël. Et voilà, il y a le Bedouard, il y a une nouvelle map en Bedouard, n'hésitez pas à aller voir. Et bientôt, il y aura une map PEP Swap et tout. Et voilà, voilou, ce petit hub, il est magnifique, je trouve. Il y a même le château VIP, je crois, il est en glace, regardez. Hop. Attends, merde. Hop, le nouveau château des VIP en glace comme ça. Non, franchement, je suis fan du hub, les amis. Le petit gadget aussi. J'aime bien. Petit grappin là pour ceux qui sont VIP. Regarde, les gens peuvent voler là. C'est drôle. Donc voilà, voilà les amis. Et en plus, je vous ai pas dit, mais c'est le mois de Noël. J'essaierai de vous faire des cadeaux sur OneCube, les amis. Et on jouera cette semaine. Je vais pas jouer ce soir, mais on jouera cette semaine, l'équipe. Donc voilà, vous êtes gotesque. Voilà, je peux le dire, vous êtes gotesque. Et voilà. Merde, je peux pas. Ah oui, je peux pas faire partir le grappin comme ça. J'achète Minecraft. Je vous ferai gagner. Soyez à l'affût le chat, je vous ferai gagner des comptes Minecraft et des grades héros sur le serveur pendant Noël. Donc voilà, soyez à l'affût et je vous annoncerai des petits trucs cool. Wake up Satan. Merci Alistar, merci à tous en tout cas d'avoir regardé ce live. Est-ce que vous avez kiffé, est-ce que vous avez passé bon, bon moment. Merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent la cloche, le pouce bleu, merci infiniment. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous, prenez soin de vous. À quand les prochains cosmétiques Inox? Les prochains cosmétiques, t'inquiète, il y en aura. Voilà, t'inquiète pas. Ça arrive, soyez à l'affût. Merci d'avoir été là. Passez tous une excellente soirée. Force à Fortnite. Et ça se trouve, ils ont entendu ce que je leur ai dit. Mais si on peut faire un truc de fou avec Fortnite, moi, je suis toujours là. Merci Marc pour ton sub. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Sur ce, je vous fais tous des gros bisous. Je vous aime. Vous êtes des goats. Vous êtes des mal alpha. Vous êtes des sigma. Voilà. Allez, tchou les sigma. Passez tous une bonne soirée. Et bonne chance pour les cours demain.